Sont magnifiques et tous ces mots nous vont droit au cœur. En effet, je ne ressens pas la présence du Seigneur. Je suis impatiente que le Seigneur nous sauve des ténèbres. Moi aussi. Durant toutes ces années, les pasteurs ne nous ont livré que des connaissances bibliques et de la théorie religieuse. Oui, c'est vrai. Nous n'avons toujours pas reçu la source de vie authentique. Nous sommes tombés dans les ténèbres. Tout ça, c'est parce que l'Église est sous le contrôle de pharisiens et de faux bergers. En effet. Je pense... Dites-moi, d'où vient ce chant? Le pasteur Wang est là? Oh, c'est une des sœurs qui me l'a appris. Je le trouve instructif. J'ai jugé bon de le leur apprendre. En effet. Vous chantiez « Ô Seigneur, où es-tu ? » Vous ne savez donc pas où il est. Il est dans notre Église. Amen. Qui dit qu'il n'est pas dans l'Église? Tout à fait. Ne chantez plus jamais ce chant. Notre église est bénie par le Seigneur. Plus on chante ce chant, plus il pénètre dans nos cœurs. Pourquoi le pasteur Wang ne nous laisse pas le chanter? Ce chant révèle que l'église ne dispose ni de bons bergers, ni de la présence du Seigneur. Les pasteurs et les anciens sont-ils d'accord? Ils ne le sont pas. Chers collègues, la paix soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle de la plus haute importance. De la plus haute importance? Pour le renouveau et le développement de l'Église, et pour restaurer la foi de nos frères et sœurs, j'ai récemment échangé avec des pasteurs d'autres régions
Et nous avons trouvé le moyen d'accomplir de nombreuses choses. De nombreuses choses. Nous ouvrirons une usine au nom de l'Église. C'est vraiment une excellente idée. C'est une usine ? L'Église ouvre une usine ? Comment est-ce qu'ils vont faire ça ? L'ouverture d'une usine par l'Église rendra gloire à Dieu et sera bénéfique. C'est vrai. Tout d'abord, les frères et les sœurs resteraient au sein de l'Église. Cela pourrait résoudre le problème de la perte des croyants. Oui, c'est bien vrai. Deuxièmement, cela soulagera les inquiétudes des collaborateurs, en leur permettant de travailler en paix pour le Seigneur. Troisièmement, nous pourrions ainsi répandre l'Évangile en amenant un plus grand nombre de personnes au Seigneur. C'est très bien. C'est formidable. Et quatrièmement, cela apporterait des finances pour le travail ministériel de notre Église. C'est une merveilleuse idée. L'Église va ouvrir une usine de produits chimiques de grande consommation. Ouvrir une usine sans que cela affecte nos réunions habituelles, telle est la volonté du Seigneur. Je trouve que c'est une... Alors, mes chers collaborateurs, qu'en pensez-vous ? Le pasteur Wang est tellement avisé. Louons le Seigneur. L'Église pourra avoir de l'argent si elle ouvre une usine. Nos soucis quotidiens seront résolus. Les croyants ne devront plus chercher du travail à l'extérieur. L'idée du pasteur Wang est fantastique. Louons le Seigneur. Mon fils avait peur de ne pas trouver de travail. Aujourd'hui, nous avons une solution. Bravo. L'ouverture de l'usine est-elle approuvée par le Seigneur? La foi de nos frères et de nos sœurs est déjà bien faible. Si notre Église ouvrait une usine, nous devrions participer à sa gestion. Nos frères et nos sœurs seront moins abreuvés de la bonne parole. Je suis d'accord. Honnêtement, je doute que l'usine redynamise l'Église. Il a raison. Et le fait d'ouvrir une usine, est-ce que ça pourrait aider à redynamiser l'Église? Je suis un peu méfiante. Une Église prospère est une Église où chacun peut s'investir avec passion pour le Seigneur et répandre l'Évangile. Participer à des réunions et propager la vérité. Pratiquer la parole du Seigneur, recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et avoir une foi authentique dans le Seigneur. De cette manière, lorsque le jugement viendra, chacun pourra tenir bon. Il me semble que c'est là la nature d'une véritable Église. Oui, c'est vrai. Elle a raison. Si on veut redynamiser l'Église, on doit exalter le Seigneur et témoigner de lui en toutes choses. Encourager nos frères et sœurs à réaliser sa parole et sa vérité. Et à comprendre que le Seigneur Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. C'est ainsi que la foi et l'amour de nos frères et sœurs seront naturellement restaurés. Je suis bien d'accord avec elle. Si l'Église ouvrait une usine, les pasteurs, les anciens et les collaborateurs devraient la gérer. Et nos cœurs seraient occupés par ces choses. Comment pouvons-nous remplir notre responsabilité consistant à guider l'Église investie par le Seigneur ? Nous devons servir le Seigneur et nous devons servir l'argent. Ça ne s'accorde pas à la volonté du Seigneur. Nous ne pouvons pas juger si le fait d'ouvrir une usine est conforme à la volonté du Seigneur. L'ouverture d'une usine n'a pas pour but d'accumuler des richesses. Elle vise à résoudre le problème de la perte de nos croyants. Oui, c'est vrai. Elle vise aussi à résoudre les problèmes de subsistance des frères et des sœurs. C'est merveilleux, le meilleur des deux mondes. En quoi est-ce le meilleur des deux mondes? C'est comme être à cheval sur deux bateaux. L'idée du pasteur Wang a été pensée pour le bien de notre Église et pour le bien des frères et des sœurs. Oui, c'est vrai. Chacun d'entre nous devrait comprendre la démarche du pasteur Wang. On ne peut pas utiliser une telle méthode pour tromper nos frères et sœurs. Pasteur Wang, frère Wu. Nous sommes des serviteurs du Seigneur et nous voulons tous servir le Seigneur. Oui. Pour redynamiser l'Église et les croyants, nous devons peut-être consacrer plus d'efforts à l'explication de la Bible. C'est vrai. Pour que tous puissent la comprendre. Voilà ce qui est le plus important. Nous croyons au Seigneur, alors suivons la Bible. La Bible est la parole du Seigneur. Amen. En aidant les croyants à la comprendre, ils auront tous tout naturellement de la foi et de l'amour. Ouvrir une usine n'est pas une manière de résoudre les problèmes. Est-ce que cela ne transformerait pas l'Église en une sorte d'entreprise ou un marché ? Exactement. On suivrait la voie des grands prêtres, des scribes et des pharisiens. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ils ont transformé le temple en un marché, un repère de voleurs. À présent, si nous faisons comme eux, nous deviendrons les pharisiens. Tout à fait. Cela n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le rappel de l'ancien goût est juste. Pour redynamiser l'Église et raviver la foi des fidèles, nous devons les encourager à lire la Bible, à rester attachés aux écrits de la Bible.
C'est ça, la volonté du Seigneur. Oui. Pasteur Wang, reposons-nous sur le Seigneur. Essayons de réaliser et de vivre sa parole. Ainsi, nous recevrons l'œuvre du Saint-Esprit. Nous retrouverons la foi et l'amour seulement si l'Église bénéficie de l'œuvre du Saint-Esprit. Ouais. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, notre foi et notre amour ne pourront jamais être restaurés. C'est vrai. Voilà pourquoi nous devons mieux transmettre la parole du Seigneur à nos frères et sœurs, leur permettre de mieux comprendre les intentions du Seigneur et de mieux connaître le Seigneur. Voilà comment on peut réellement restaurer la foi et l'amour chez nos frères et sœurs. Ouvrir une usine et s'enrichir dans le seul but de rassembler les gens. Quelle serait la différence avec les organisations qui existent ? Aucune différence. Et alors, malgré une apparence très active et la force du nombre à la surface, qu'en est-il de l'œuvre du Saint-Esprit ? Et qu'en est-il de la renaissance de l'Église ? Est-ce une façon de témoigner pour le Seigneur ? Cette voie ne me convient pas. Elle n'est absolument pas conforme à la volonté du Seigneur. Voilà. Oui. Pourquoi cette voie ne conviendrait pas ? Chers collaborateurs, ce que vous dites est très juste. Mais si les croyants retournent dans le monde, qui allons-nous bien pouvoir prêcher ? C'est exact. De qui allons-nous restaurer l'amour et la foi ? Oui. Pour ma part, le fait de résoudre vos inquiétudes et de garantir des fonds pour les ministères et le fonctionnement normal du travail de l'Église, c'est du concret. Oui. Si les gens sont tous partis, est-ce que l'Église existe encore ? Ça, c'est du concret. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'Église. Vous devriez tous me soutenir. J'ai du mal à comprendre pourquoi personne n'est avec moi. Il est extrêmement urgent de résoudre ce problème. En effet. Si tous les croyants retournent dans le monde, l'Église sera désertée. Alors, quelle solution pouvons-nous mettre en place ? Tout à fait. Moi, je trouve que l'idée du pasteur Huang est très concrète. Il semble que nous n'avons aucune autre option. En effet. C'est vrai. Oui. Pour qui le pasteur Huang fait-il cela ? Nous devrions nous ranger à ses côtés. Moi aussi, je suis d'accord à suivre. C'est si mal de s'enrichir. Ça glorifie Dieu. Et ça contribue au bien-être. Si l'Église ouvre une usine, je veux bien investir dedans. Moi aussi. Moi aussi. Loué soit le Seigneur. Si l'Église ouvre une usine, nous pourrions à la fois faire prospérer l'Église et obtenir la vie. Oui. Personnellement, je pense qu'on aurait dû le faire il y a longtemps. Oui, c'est une excellente... Comment peuvent-ils dire ça ? Oui, c'est une excellente idée. Il faut soutenir le pasteur Wang. Oui. Pasteur Huang, nous sommes une église de maison qui a été persécutée par le PCC depuis toujours. Le fait de créer une usine est assez ostentatoire. Si vous faites cela, les croyants s'écarteront de Dieu et bâtiront leur propre richesse. C'est la volonté du gouvernement satanique. C'est vrai. Avez-vous rejoint l'église des trois autonomies pour vivre aux frais du gouvernement ? Frère Zhang, puis-je savoir ce que vous sous-entendez ? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la vérité concernant ce sujet. Cela fait longtemps que je pense à rejoindre les trois autonomies. Je ne pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose. Aime ton pays, aime ton église et œuvre pour le bien du peuple est un slogan qui me plaît. Il n'influe pas sur notre foi et notre compréhension de la Bible. Comment ose-t-il rejoindre cette église ? En rejoignant cette église, nous ne serions plus persécutés. Grâce à l'usine, nous pourrions glorifier Dieu et œuvrer pour le bien du peuple. Oui. Comment cela pourrait-il être une bonne chose ? Mes collaborateurs, en ce qui concerne cette usine, je l'ai déjà signalé au département du Front uni du travail. Le Front uni ? Au département du travail du Front uni, tout est déjà arrangé à l'avance. Ils encouragent les pasteurs et les soutiennent dans leurs projets d'entreprise, afin de rendre nos croyants prospères. L'Église ouvre une usine et le gouvernement la soutient. Oui, c'est vraiment formidable. Ils sont même prêts à nous aider un peu. Ainsi, le gouvernement ne nous persécutera plus. Oui. Oui. Maintenant, nous ne serons plus obligés d'œuvrer dans l'ombre et de croire en Dieu en secret. Oui. Oui, 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 bien sûr. On les écoutera en surface, mais dans nos cœurs, on croira toujours au Seigneur et on suivra toujours la Bible. C'est la seule manière de perpétuer la foi en Chine. C'est intelligent. Vous ne me comprenez toujours pas ? Pasteur Wang, en ouvrant une usine et en rejoignant les trois autonomies, nous serons contrôlés par le gouvernement du PCC. Ils placeront des informateurs pour surveiller notre église.
Nos réunions et sermons ainsi que la diffusion de l'évangile seront toujours contrôlées. C'est bien la vérité. Le gouvernement ne nous permet pas d'interpréter la vérité de la Bible. C'est ça, oui. Ni de parler de l'entrée dans la vie. Il ne permet pas de parler des prophéties de l'Apocalypse. Nous parlerons d'aimer son pays et son Église, des cinq disciplines et des quatre beautés, de faire croître les richesses. Durant toutes ces années, notre gouvernement a sans arrêt limité la liberté religieuse, a réprimé et persécuté les églises de maison. Il arrêtait les chrétiens, quoi qu'il puisse lui en coûter. Mais surtout, ils n'ont pas hésité à persécuter des chrétiens à mort. C'est la vérité. Exactement. Leur objectif premier, c'est de limiter la diffusion de l'Évangile. Et ainsi, ils renverseront l'Église. Et ils feront de la Chine une contrée sans Dieu. Cela leur permettra de garantir l'emprise du PCC pendant des milliers d'années. C'est la vérité. Le PCC est un régime satanique qui déteste la vérité et résiste à Dieu. C'est vrai. Si notre Église dépend de l'appui du gouvernement et se laisse contrôler par lui, cela reviendra à livrer l'Église à Satan. Ce serait gravement trahir le Seigneur. Nous serons condamnés et abandonnés par le Seigneur. Oui. Dans l'Apocalypse, nous savons que l'église de Laodicée et celle de Sardes n'ont jamais reçu les louanges du Seigneur. Le Seigneur n'approuverait pas que nous rejoignions l'église des trois autonomies. C'est vrai. C'est vrai. Cela nous prouve que rejoindre les trois autonomies est une erreur. C'est vrai. Ne pensez-vous pas que j'ai raison ? Amen. Oui, oui. On ne peut pas les rejoindre. Je ne vois pas le problème, puisque nous continuerions à lire la Bible et à croire au Seigneur. Exactement. Le fait de les rejoindre revient à obéir à Satan et trahir le Seigneur. Oui. Nous ne pouvons pas les rejoindre. Ma sœur, nos frères et sœurs ont raison. En rejoignant les trois autonomies, vous devenez un allié du PCC. Oui. Ça revient à pécher avec les rois de la terre, c'est la Babylone religieuse. En effet. Vous livrez l'agneau du Seigneur à l'ennemi. Vous vendez l'Église et ainsi vous trahissez le Seigneur. Oui, cela revient à trahir le Seigneur. Vous songez à rejoindre les trois autonomies depuis longtemps. N'avez-vous jamais prié le Seigneur ? Cette décision est majeure. Montrez-vous prudent. C'est vrai. Et n'oubliez pas que tous les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, se sont aussi alliés aux autorités romaines et ont crucifié le Seigneur Jésus. Oui. Le PCC et l'Église s'allient pour résister à Dieu. À mon avis, rejoindre les trois autonomies, ce serait comme quand le judaïsme s'est allié aux Romains. Exactement. Oui. Rejoindre les trois autonomies, ce serait trahir le Seigneur. Mes frères, ma décision d'ouvrir une usine est totalement conforme à la Bible. Amen. Amen. Dans la Bible, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Obéissons au gouvernement. C'est bien cela que dit la Bible. Telle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Comment le Seigneur pourrait-il nous condamner ? En effet. J'ouvrirai l'usine et rejoindrai les trois autonomies. Et cela est conforme à la Bible. Voyez-vous de quoi il s'agit ici ? C'est vrai, nous devons comprendre. Il a déjà parlé au département du travail. Si on continue à s'y opposer, je crains qu'il vienne nous trouver et que nous ayons des problèmes. La situation est délicate. Ce n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Pasteur Wang, vous citez la Bible. Et en effet, ce n'est pas faux. Cela dit, ce ne sont pas les paroles du Seigneur Jésus. Vous nous avez cité les écrits de Paul. Ces écrits ne peuvent pas vraiment représenter les paroles du Seigneur Jésus ? Osez-vous dire qu'il s'agit de la volonté du Seigneur Jésus ? C'est vrai. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que les gens devaient obéir aux autorités dirigeantes. Donc, les écrits de Paul concernant l'obéissance aux autorités ne sont pas nécessairement corrects. Cela dépend des autorités qui gouvernent. En ce qui concerne le gouvernement athée du PCC, c'est un régime satanique qui résiste à Dieu. Si nous lui obéissons, est-ce que nous ne prenons pas le parti de Satan comme des ennemis de Dieu ? Oui, oui. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais signalé d'obéir au gouvernement en place pour croire en Dieu. Si tous les croyants obéissaient, personne n'aurait jamais dû subir le martyre pour le Seigneur. Dites-vous que le martyre est une punition qu'on s'inflige à soi-même pour s'être rebellé contre l'autorité ? Non. Osez-vous dire cela ? Obéir aux autorités dirigeantes, c'est suivre le Seigneur ? Tous les saints qui ont été martyrisés pour le Seigneur à travers l'histoire ont été loués par lui. Dites-vous
que vous n'acceptez pas cette vérité ? C'est vrai. C'est vrai. Pour nous qui sommes croyants, qui croyons dans le Seigneur, nous louons sa grandeur et lui obéissons, à lui et à la vérité. Amen. Amen. Pour ce qui est d'obéir au gouvernement, on ne doit lui obéir qu'en payant nos impôts, et non pas en résistant à Dieu. C'est vrai. En ce qui concerne le Seigneur, nous n'écoutons que le Seigneur, pas les hommes. Voilà, je ne suis pas de votre avis. Oui, et moi non plus. Rejoindre les trois autonomies revient à trahir notre Seigneur. C'est mon point de vue. Je suis d'accord avec le point de vue du frère Lynn. Quoi que vous en disiez, le fait de rejoindre les trois autonomies et créer une usine est conforme à la Bible. Amen. Amen. Je ferai tout ce que je pourrai pour rester conforme à la Bible. En tout cas, je veille sur vous et sur l'Église. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je me moque complètement de ce que vous en pensez. La majorité est d'accord pour rejoindre les trois autonomies et ouvrir l'usine. Une minorité s'y oppose. En suivant le principe des règles majoritaires, nous rejoindrons l'Église des trois autonomies et ouvrirons l'usine. Amen. Eh bien voilà, c'est décidé. La réunion d'aujourd'hui est terminée. C'est magnifique. Je savais que le jour viendrait où l'Église déciderait de rejoindre les trois autonomies. C'est le scénario que je redoutais depuis longtemps. Il fait ce qu'il veut et il n'y a rien à faire. Ancien goût. Cette fois, le pasteur Huang a rassemblé tous ceux qui soutiennent la construction de l'usine et acceptent de rejoindre les trois autonomies avec lui. Le pasteur Huang est doué pour tromper les gens. Désormais, ils le soutiennent presque tous. De moins en moins de personnes sont de notre côté. Je ne pensais pas que le pasteur était aussi fourbe que ça. Il est trop fort pour moi. Nous devons mettre un plan au point. Si le pasteur Huang réussit à convaincre les autres croyants, qui nous restera-t-il à guider? De quoi allons-nous dépendre pour vivre? Notre statut et notre gagne-pain seront perdus. Il faut trouver quelque chose. Oui. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Tous ceux qui restent sont contre le fait de rejoindre l'Église des Trois Autonomies. Certains ont été persécutés par le PCC dans le passé. Le pasteur Huang ne les convaincra pas de le suivre. La division entre les deux camps n'a de cesse de se creuser. En effet, il ne les convaincra pas. Mais récemment, quelques frères et sœurs de grande qualité et en quête de vérité ont été volés par l'éclair oriental. Certains d'entre eux visitent tous les jours le site internet de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quoi ? Certains ne viennent plus aux réunions. Si nous n'arrivons pas à arrêter cela, petit à petit, ils iront d'eux-mêmes rejoindre l'éclair oriental. Nous ne savons même pas combien de personnes étudient secrètement l'éclair oriental. Le PCC bloque le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Comment ont-ils pu y accéder? C'est impossible. Dis-nous. C'est très simple. Celui qui s'y connaît en informatique peut avoir une connexion confidentielle. Je l'ai moi-même vérifié. Leur site web est plutôt réussi. Regardez. Il contient toutes sortes de livres. Cantiques, vidéos, films, comédies musicales, etc. Ils contiennent les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi que des témoignages de son œuvre. Les séances de débat de leurs films sont vraiment réussies. Ils communiquent de manière claire. Beaucoup de gens ont vu ces vidéos. Apparemment, beaucoup de gens dans différents pays étudient l'éclair oriental. Si ça continue comme ça, tous les gens de qualité finiront par croire à l'éclair oriental. Les limitations, les arrestations et la répression pratiquées par le PCC ne sont pas efficaces. C'est comme si l'éclair oriental détenait la vérité. Ça ne m'étonne pas qu'ils croient avec une foi aussi ardente. C'est un problème. Tous ces gens de qualité et de différentes religions croient à l'éclair oriental en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en écoutant ses témoins. Si tous les croyants vont sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant et regardent son contenu, ils commenceront à croire à l'éclair oriental. Ancien goût, il faut reprendre le contrôle de la situation. Le contrôle ? On peut contrôler certaines choses, mais regardez ça. On ne peut rien faire. Même le gouvernement n'arrive pas à le contrôler.
Dans le passé, quand les gens de l'éclair oriental sont venus prêcher dans notre église, non seulement nous les avons chassés, mais en plus, nous avons appelé la police. Nous avons confisqué les livres de l'éclair oriental que lisaient les fidèles. Maintenant, il leur suffit de consulter le site de l'église de Dieu Tout-Puissant. Le fait que le PCC n'arrive pas à les arrêter nous montre clairement le problème. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont l'éclair oriental est parvenu à se développer. Quoi qu'il en soit, si l'éclair oriental était une création humaine, le PCC leur est brisé depuis bien longtemps. Et ce qu'on voit maintenant est vraiment très surprenant. L'Église de Dieu Tout-Puissant existe toujours. Et en plus, elle se répand dans le monde entier. La parole de Dieu Tout-Puissant a l'air très puissante. Je finis simplement par me demander si l'éclair oriental n'est pas vraiment l'œuvre de Dieu. Si jamais c'était vraiment l'œuvre de Dieu, nous ne pourrions rien contrôler, quoi que nous fassions. Cela fait un moment que je songe à l'éclair oriental. D'abord, j'ai condamné l'éclair oriental. Je lui résistais à cause des rumeurs du PCC. À cette époque, je croyais à certaines d'entre elles. Ensuite, l'éclair oriental a été condamné par nombre de nos pasteurs. J'ai alors pensé que cette voie n'était pas la vraie. Du coup, j'ai été encouragé à résister et à condamner l'éclair oriental. Puis, j'ai vu comment l'éclair oriental a continué à survivre malgré la répression et les persécutions du PCC. J'étais très curieux. Alors, j'ai lu en secret les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai regardé leurs vidéos. Et j'ai été surpris. Dieu Tout-Puissant a des paroles de pouvoir et d'autorité. Elles parlent au cœur des gens et finissent par les convaincre. Il n'y a absolument rien d'étonnant à ce qu'après les avoir lus, tant de gens les acceptent et disent qu'il s'agit de la voix de Dieu. Alors, j'ai commencé à avoir peur. Et si Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus, que devrions-nous faire? Nous avons déjà condamné et résisté tant de fois à Dieu Tout-Puissant que nous sommes sûrement maudits par Dieu. Honnêtement, j'ai bien peur que l'éclair oriental soit la voie authentique. Si c'est le cas, nous sommes foutus. Oui. J'espère que l'éclair oriental n'est pas la vraie voie. Et que Dieu Tout-Puissant n'est pas le retour du Seigneur Jésus. Ainsi, nous ne serons pas condamnés. En tout cas, nous devons protéger notre Église et lui rester fidèles. Amen. Nous ne nourrissons aucune querelle contre l'éclair oriental. Si nous résistons à Dieu, nous ne le faisons pas volontairement. Se pourrait-il qu'on nous condamne pour cela? À mon avis, le Seigneur aura pitié de nous. Tout à fait. Nous voulons juste protéger l'Église. Nous n'avons pas d'autre choix. On ne sait pas non plus si l'éclair oriental est le retour du Seigneur Jésus. Les ignorants ne seront pas condamnés. Qui plus est, le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il serait Dieu Tout-Puissant lors de son retour. Alors, je doute que nous soyons maudits pour avoir condamné l'éclair oriental. Arrêtons tout ça. Ne pensons plus à toutes ces choses. La priorité est de protéger l'Église. Si jamais nous empêchons les membres de l'Église d'aller sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant, cela attiserait leur curiosité. Et c'est l'inverse de ce que nous voulons. De plus, le site est bloqué par le PCC. Il sera difficile pour les croyants d'y accéder. Maintenant, nous devons trouver un moyen de fermer l'église, d'empêcher nos membres de rejoindre Wang Weidong. Ils ne doivent pas rencontrer des membres de l'éclair oriental. Nous devons dire dans nos sermons qu'il faut dénoncer les membres de l'éclair oriental à la police s'ils nous volent des brebis. Il ne s'agit pas de vendre le Seigneur, mais de protéger l'Église et d'être loyaux envers lui. Quiconque croit à l'éclair oriental
doit quitter l'église. C'est notre seule solution. On ne peut rien faire de plus. Capitaine Way, nous sommes heureux que vous aidiez notre usine. Voici un gage de notre reconnaissance. Monsieur Wang. J'écoute. Vous avez fait un excellent travail ces derniers temps. Vous vous êtes rapproché du gouvernement et avez coopéré. C'est normal. Nous prévoyons de vous offrir une formation. Merci au gouvernement ainsi qu'aux dirigeants. Je vous dis la vérité. Pourquoi le gouvernement contrôle-t-il les églises clandestines de manière si stricte et arrête-t-il des chrétiens? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. En réalité, les attaques menées contre les religions et les arrestations de chrétiens clandestins sont une initiative visant à éliminer toutes les églises et à faire de la Chine une nation impie. Cela permettra au PCC de rester au pouvoir pendant des milliers d'années. Tel est notre réel objectif. Bien que la Constitution accorde clairement la liberté religieuse, il s'agit d'une fausse promesse pour tromper les étrangers. La politique de notre pays a pour but de détruire toutes les croyances. Vous devez donc vous rapprocher du gouvernement et coopérer avec nous en offrant un front uni. En effet. C'est dans votre intérêt. Oui. La Chine est le domaine du Parti communiste chinois. Quiconque s'opposera au Parti communiste devra en subir les conséquences. Ceux qui ont une foi clandestine doivent être capturés et emprisonnés. L'objectif ultime du gouvernement est de détruire toutes les religions. Monsieur Wang. Oui, Capitaine Wei. Vous êtes intelligent. Vous ne comprenez vraiment pas? Si, bien sûr, je comprends. Je vais vous expliquer. Se rapprocher du gouvernement et rejoindre les trois autonomies est le bon choix. Le gouvernement vous garantira soutien et protection. Capitaine Wei, j'ai décidé de rejoindre l'église des trois autonomies. Accepter le Parti communiste comme guide et aimer mon pays, aimer mon église. Nous devons aimer notre pays pour aimer notre église. Sans pays, on ne peut pas avoir d'église. Capitaine Wei, c'est réellement ce que je pense. Quoi qu'il arrive, je me tiendrai toujours aux côtés du parti. Seul le Parti communiste peut diriger le peuple chinois. Sans le parti, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je veux suivre le Parti communiste. Et tant que vous me soutiendrez et me protégerez, je ferai tout ce que je pourrai pour vous. Pour ce qui est de la religion, s'il vous faut quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Il vous suffit de m'en parler et je promets que je m'en occuperai. Qu'en dites-vous? Très bien. Monsieur Wang. Oui, dites-moi. Le gouvernement central a envoyé une autre série de messages urgents. Ils sont classés secrets et concernent le clair oriental. Les messages exigeaient que toutes les provinces, villes et régions autonomes essaient de réprimer l'église de Dieu Tout-Puissant. Les directives qui ont été données visent à tuer et à emprisonner des membres de l'éclair oriental et éradiquer l'église en faisant en sorte d'arracher tous ses piliers. Monsieur Wang. Oui, capitaine. Vous devez coopérer avec le gouvernement. Oui, bien sûr. À présent, tout dépend de vous. Le gouvernement a raison d'attaquer l'éclair oriental. L'éclair oriental grandit vraiment trop vite. S'il n'est pas étouffé et contrôlé, la communauté religieuse finira par devoir obéir à Dieu Tout-Puissant. Je trouve qu'il menace vraiment le contrôle du parti. Il va falloir l'étouffer. C'est la solution qui s'impose. Monsieur Wang. Oui? Si vous traitez efficacement l'éclair oriental et que vous faites ce qui a été dit, vous pourrez compter sur nous pour votre usine. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour vous accompagner. Nous ne vous laisserons jamais tomber. Vous pouvez nous faire confiance. Oui, capitaine, ne vous en faites pas. En ce qui concerne l'éclair oriental,
Je sais exactement ce que je dois faire. Frères et sœurs, mangez tous à votre faim. C'est le Seigneur qu'il faut remercier. Tout ce qui est ici est la grâce du Seigneur. Rassasiez-vous tous, servez-vous. Ah, frère Kian, ça faisait longtemps. Pasteur Wang, j'étais très occupé ces derniers temps. Oh. Mais je ne pouvais pas rater une telle réunion. Oui, louons le Seigneur pour le festin que nous partageons aujourd'hui. Vous pouvez manger autant que vous le voulez. Ne soyez pas timide. Pasteur Wang, quelles sont les activités prévues du mois prochain? On est tous impatients de le savoir. Le capitaine Wei m'a dit qu'il nous emmènera au musée d'histoire révolutionnaire pour découvrir les exploits des martyrs. C'est bien. Après ça, je vous emmènerai pique-niquer. Oh, un pique-nique. Excellent. Allez-y, mangez, servez-vous, mangez à votre faim. Pasteur Wang, merci, pasteur. Nous avons bien fait de rejoindre les trois autonomies. C'est la grâce du Seigneur. Nous qui croyons au Seigneur, nous devons obéir aux autorités. En rejoignant les trois autonomies, nous continuons à lire et à interpréter la Bible. Ça ne change pas notre foi envers le Seigneur. Et le gouvernement nous protège. C'est la vraie liberté religieuse. Amen. Vous avez raison. Nous pouvons profiter de la protection du gouvernement et nos cœurs sont en paix. Oui. On ne devra plus prier chaque soir pour la protection du Seigneur. Finalement, quand on y pense, tout cela n'est-il pas la grâce du Seigneur? Ne serions-nous pas stupides de refuser la grâce qu'il envoie? C'est vrai. Ceux qui ne rejoignent pas les trois autonomies, ce sont des gens stupides. C'est vrai. Ils comprennent pas que c'est le chemin que le Seigneur a choisi pour nous. Bien sûr. Ils prêchent dans la clandestinité. En vivant chaque jour dans la peur et la dissimulation, ils vivent leur vie comme on mène des opérations clandestines. Est-ce bien nécessaire? Moi, je trouve ça idiot. C'est vrai. Mangez, mangez, allez, servez-vous. Le pasteur Wang nous conduit sur le droit chemin. Oui. Mon fils a trouvé un travail. On peut prier le Seigneur en toute sécurité, sans être persécuté. Tout à fait. Nos vies seront enfin protégées. Oui, oui, oui. C'est une bénédiction divine, si, vous ne trouvez pas? Le Seigneur soit loué, les trois autonomies sont le droit chemin. Oui, je le crois aussi. Ce que notre usine démontre, c'est que nos actions sont conformes à la Bible. Le chemin que nous avons choisi est conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Le Seigneur soit loué. Maintenant, nous avons le soutien du Front Uni. À mon avis, notre usine va prospérer. Nous sommes en très bonne voie. Il n'y a aucun doute. N'est-ce pas la bénédiction du Seigneur? C'est certain. Oui. Le Seigneur soit loué. Les produits de notre usine se vendent très bien. Ah, c'est formidable. Tout ceci est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, pour améliorer la productivité de notre usine, réfléchissez à de nouvelles méthodes. Oui. Pour que nous ayons d'autres sources de revenus. De cette manière, la production de notre usine ne cessera pas d'augmenter. Oui. C'est vrai. Comme ça, votre rémunération augmentera elle aussi. Frères et sœurs, je m'engage à donner une commission à ceux qui trouveront des clients qui achètent en gros et qui leur font passer de nouvelles commandes. À la fin de l'année, tous les bénéfices seront partagés avec vous. Le Seigneur soit loué. J'espère que vous allez coopérer avec moi dans cette entreprise. Loué soit le Seigneur. Vous savez, moi, je viens avec tous mes temps. Les pasteurs de l'église des trois autonomies assistent Pasteur désormais Wang, aux réunions. Commençons. D'accord. Chers collaborateurs, nous attendons le retour du Seigneur pour l'enlèvement au royaume des cieux. Pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore arrivé? Pourquoi l'éclair oriental a pris sa place? Que se passe-t-il au juste? Je ne comprends pas. À ce que je vois, de nombreuses bonnes brebis et des dirigeants de diverses églises ont été volés par l'éclair oriental. D'un coup, elles ont disparu de l'église. C'est comme si elles avaient été enlevées. Malgré nos efforts d'opposition à l'éclair oriental, des chercheurs de vérité de qualité parmi nos frères et sœurs vont étudier l'éclair oriental. Visiblement, certains s'intéressent à l'éclair oriental. À mon avis, ils ont dû lire les livres de Dieu Tout-Puissant en secret. Ou peut-être même qu'ils vont sur leur site internet pour regarder leurs vidéos et leurs films. Si nous ne pouvons pas résoudre ce problème,
alors les bonnes brebis de notre église pourraient finir par accepter l'éclair oriental. Oui. Je trouve que c'est un gros problème. Oui, on doit résoudre ce problème. Donc, dans une guerre spirituelle aussi féroce, nous devons partager le même cœur. Nous devons n'être qu'un dans le Seigneur pour protéger nos brebis. Amen. Sinon, nous ne pourrons pas rendre compte au Seigneur. Pasteur Wang est l'ancien coup de... Si les frères et les sœurs sont tous volés, on ne pourra pas rendre compte au Seigneur. Pour protéger nos brebis, nous avons employé toutes sortes de méthodes. Nous n'avons pas pu contrôler l'Église. Certains continuent d'étudier l'éclair oriental en secret. Je pense qu'en tentant de résoudre ce problème à la racine, nous devons sans cesse insister auprès de nos croyants sur le fait que la Bible est inspirée par Dieu. Amen. Tous les mots de la Bible sont la parole de Dieu. Amen. Amen. Croire en notre Seigneur signifie croire en la Bible. En l'abandonnant, vous trahissez le Seigneur et ne croyez pas en lui. Amen. Nous devons unir nos efforts pour exalter la Bible et convaincre les fidèles de croire dans l'autorité absolue de la Bible. C'est le seul moyen de conserver tous nos croyants. Exactement. C'est un bon plan. Sinon, il y a toujours de bonnes idées. Dès que les croyants liront les paroles de Dieu Tout-Puissant, ils ne voudront plus lire la Bible. Chers collaborateurs, pourquoi les gens croient en l'éclair oriental? Dites-nous pourquoi. Parce que les enseignements de l'éclair oriental sont profonds et ils sont bons. Et si nous sommes capables d'interpréter clairement la Bible, nous saurons conserver nos croyants. L'ancien goût comprend la Bible. C'est sûr. Si l'éclair oriental est plus fort, c'est parce que nous n'avons pas bien su interpréter la Bible. Nous devons passer un peu plus de temps à interpréter la Bible pour que nos brebis la comprennent en profondeur. C'est ainsi que nous protégerons nos brebis. Et l'éclair oriental ne pourra plus voler nos brebis. N'ai-je pas raison? Nous avons communiqué oui, de nombreuses vrai. Fois sans succès. Chers collaborateurs, l'ancien goût a absolument raison. Simplement interpréter la Bible ne suffira pas à réussir à protéger nos brebis. Quelles autres méthodes avons-nous? Il faut mettre en place des stratagèmes. Des stratagèmes? Nous ne pouvons pas les contrôler sans mettre cela en place. Le gouvernement use de sa force pour attaquer l'éclair oriental. Le gouvernement a déjà mobilisé les citoyens pour qu'ils dénoncent tous les gens de l'éclair oriental où qu'ils soient. C'est une excellente opportunité. Oui, c'est vrai. Une excellente opportunité. Les gens de l'éclair oriental prêchent l'évangile et volent nos brebis. Je propose de les dénoncer à la police. Quoi ? Appelez la police. Si nous voyons des gens voler nos brebis, dénonçons-les afin qu'ils soient arrêtés. C'est pernicieux. Nous verrons bien s'ils osent revenir prêcher leur évangile ici. Alors, qu'en pensez-vous? D'accord. Oh, oui. Je pense que c'est un bon moyen de protéger notre église. Dorénavant, nous appellerons la police et signalerons ceux qui prêchent pour l'éclair oriental. L'église vous récompensera. C'est une récompense. C'est le meilleur moyen de limiter l'expansion de l'éclair oriental. Le pasteur Wang a toujours de bonnes idées. Ça fera d'une pierre deux coups. Exactement. Comment des croyants peuvent faire ça? Oui. On doit protéger le troupeau. C'est résister au Seigneur. Si tous ceux qui répandent l'éclair oriental sont arrêtés et jetés en prison, pensez-vous vraiment qu'ils puissent voler nos brebis? Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Très bien, le Seigneur. Très bien. Dorénavant, toutes les églises doivent faire de même. Appeler la police pour arrêter des croyants, c'est conforme à la volonté du Seigneur? Je pense que ce n'est pas correct de faire ça. Les disciples de l'éclair oriental, ils témoignent du retour du Seigneur Jésus. Si on les signale et qu'ils sont arrêtés, nous trahissons le Seigneur. Oui. Les gens de chaque confession croient tous au Seigneur. Oui. Osez-vous dire que ces groupes sont nos ennemis? Non, pas du tout. Sommes-nous les seuls à être aimés par le Seigneur? Évidemment pas le cas. Vous ne pouvez pas dire cela. Oui. Les pasteurs et les anciens font ça pour protéger l'église et le troupeau. Ils n'ont pas d'autre choix. Si l'éclair oriental vient voler nos brebis, il faut les dénoncer pour les faire arrêter. Il n'y a pas de mal à ça. Nous ne devrions pas suivre les pasteurs et les anciens. Pasteur Wang, nous ne savons pas si l'éclair oriental est ou non la voie authentique. Ce que nous savons, c'est qu'ils croient vraiment au Seigneur. Le PCC les a violemment persécutés, mais ils sont toujours debout. Ils continuent à témoigner du Seigneur. À mon avis, ce sont des bonnes personnes et ils sont plus forts que nous. Réfléchissez un peu.
Si nous avions subi ce type de persécution, nous n'aurions pas su aussi bien y faire face. C'est vrai, nous ne serions pas meilleurs qu'eux. Maintenant, le PCC réprime les églises de maison, et tout particulièrement celles qui pratiquent l'éclair oriental. Pensez-vous toujours que dénoncer ceux qui pratiquent l'éclair oriental soit conforme à la volonté du Seigneur ? Ce n'est absolument pas conforme. En tant que pasteur de l'Église, comment osez-vous encourager les frères et sœurs à faire de mauvaises choses ? Est-ce que c'est vraiment digne d'un chrétien ? Je pense que le Seigneur Jésus ne louerait jamais ce comportement. Oui, ça va vraiment un peu trop loin. Nous ne pouvons pas nous laisser aller aux extrêmes. Le Seigneur nous condamnerait. Oui, il est bon de préserver notre Église. Pour parler de la Bible avec eux, il faut écouter leurs témoignages. Oui. On ne peut donc pas les dénoncer à la police. Oui, c'est pas bon du tout de faire ça. On ne peut pas faire ça. Chers collaborateurs, calmez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition faite par le pasteur Wang de dénoncer les prêcheurs de l'éclair oriental. Ces dernières années, l'éclair oriental s'est développé très rapidement. Les bonnes brebis de l'Église sont constamment volées. En tant que pasteur et ancien, on ne peut pas ignorer ça. Non. Le Seigneur nous a donné ce troupeau de brebis, nous avons la responsabilité de les protéger. Amen. Amen. Sans prendre de mesures extrêmes, nous ne maintiendrons pas l'Église. Nous ne faisons que garder la voie authentique et protéger nos brebis. Amen. Soyons loyaux envers le Seigneur. Je ne vois pas en quoi nous offensons le Seigneur. L'ancien Gou a raison. Dénoncer les disciples de l'éclair oriental, c'est la bonne voie pour protéger les brebis. Comment osez-vous dire que c'est une trahison ? Oui. Ceux qui osent voler nos brebis doivent être dénoncés. Il n'y a rien de mal. Ancien Gou, je ne pense pas que vous ayez raison. Je ne sais pas si l'éclair oriental est la voie authentique. Mais je sais que les gens de toutes les confessions croient au Seigneur. Nous devons tous les aimer. C'est vrai. Exactement. Le Seigneur Jésus nous a dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien. » Amen. Peu importe si les disciples de l'éclair oriental nous témoignent du Seigneur ou volent nos brebis, nous devons les traiter avec amour. S'ils nous présentent un témoignage authentique, nous devons l'accepter. Si leur témoignage est erroné, nous pouvons le rejeter. Mais je doute qu'il faille les dénoncer ou encore les faire arrêter. Quelle qu'en soit la raison, nous ne devons pas agir ainsi. Cela n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Oui. Les pharisiens n'ont pas accepté ni reconnu le Seigneur. C'est le choix qu'ils ont fait. Cependant, ils ont crucifié le Seigneur sur la croix. Personne ne peut prendre sur lui ce péché. Tout à fait. Écoutez, si nous dénonçons réellement les disciples de l'éclair oriental, je pense que c'est un péché et que le Seigneur nous punira. Alors, est-ce que vous ne pouvez vraiment pas le comprendre ? Avec du temps, nous les comprendrons. Frère Lynn, si nous condamnons l'éclair oriental, c'est uniquement pour protéger nos brebis et notre Église. Nous restons loyaux. Ne nous comparons pas à Judas qui a vendu le Seigneur et ses amis. Ce sont deux choses totalement différentes. Je pense que tant que nous essayons d'éviter à nos brebis d'être volées par l'éclair oriental, rien n'est excessif. Amen. Amen. Certains d'entre vous m'appellent Judas. Eh bien, même si je suis Judas, tout ce qui m'importe, c'est protéger l'Église. En effet, c'est un vrai Judas. Mes chers collaborateurs, détendez-vous. Si l'éclair oriental est vraiment le retour du Seigneur Jésus, et si de cette façon, nous nous opposons au Seigneur et le condamnons, je l'assumerai. Comment il ose dire une chose pareille ? Ah, est-ce que ce n'est pas ce qu'a déclaré le grand prêtre quand il a cloué le Seigneur Jésus sur la croix ? Si le Seigneur nous juge, qu'il nous juge, nous, pasteurs et anciens. Vous serez tranquilles. Ah ! La croix est tombée, comme si c'était un mauvais présage. Peut-être Dieu qui veut nous montrer sa colère. On a offensé son tempérament, vous pensez ? Ça ne présage rien de bon. C'est certain, j'ai un mauvais. Les anciens l'ont offensé ? Oui, on n'a jamais rien vu de tel. On a dû offenser le tempérament de Dieu. Est-ce qu'il se pourrait que l'éclair oriental soit la voie authentique ? S'opposer à l'éclair oriental, c'est résister au Seigneur. Oui, nous devons nous repentir immédiatement devant le Seigneur. Sœur Cheng ? Oui.
Comment était la réunion des collaborateurs aujourd'hui? J'ai guetté les pasteurs et les anciens. Cela fait longtemps qu'ils ne sont plus fidèles au Seigneur. L'Église a perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est un simple lieu de culte. Si nous continuons à aller dans cette Église, le Seigneur nous abandonnera. Vous avez raison. Ah, Xulan. Oui. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à les suivre sur leur voie de résistance au Seigneur. Nous devons trouver une église dans laquelle œuvre le Saint-Esprit. Sœur Cheng, seul l'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant a entamé son jugement en commençant par sa maison. Toutes les bonnes brebis et les dirigeants de nombreuses confessions ont fini par adhérer à l'éclair oriental. L'éclair oriental jouit de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devrions rechercher et étudier l'éclair oriental. Grâce au Seigneur, Xulan, nous avons pensé à la même chose. C'est vrai, j'en suis ravie. Et allons en ligne et regardons tout de suite. Oui, d'accord, allons-y. Pasteur Wang, ancien goût, ça ne va pas. L'éclair oriental vole des brebis de notre église. Ils sont encore en train de voler nos brebis. Ils ne nous voleront pas comme ça, je le refuse. On les attrapera un par un. Allez. Ah, le pasteur Wang est là. Vous ne manquez pas d'audace pour oser venir dans notre église voler nos brebis. Attrapez-les. Arrêtez vos bêtises. Dorénavant, il faudra les dénoncer sur le champ. Oui, c'est promis. Restez en ligne. Les conséquences de vos actes. Entrez là-dedans. Cette fois, vous voyez les conséquences de vos actes. Nous vous avons tous arrêtés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Maintenant, non seulement les pasteurs et les anciens cherchent refuge auprès du régime satanique et lui obéissent, mais ils guident également les croyants sur la voie du mal qui se répand dans le monde. Ils les guident sur une voie de richesse matérielle et d'opulence. C'est mal, sans aucun doute. Pire encore. La communauté religieuse tout entière condamne aujourd'hui Dieu Tout-Puissant et lui résiste. Ils sont déjà sur une voie qui fait d'eux des ennemis de Dieu. En quoi sont-ils différents des Juifs qui ont résisté au Seigneur Jésus à l'époque? On dirait que la communauté religieuse s'est vraiment exposée aux malédictions de Dieu. La Babylone religieuse va vraiment s'effondrer.
Elle s'effondre. Mon rêve de la nuit dernière était si frappant et si saisissant. Ah ! Le Seigneur essaye peut-être de révéler quelque chose par ce rêve ? C'est aussi ce que je pense. Si la grande Babylone s'effondre, les gens au sein des communautés religieuses seront détruits. C'est vrai. Est-ce que c'est parce que les dirigeants se sont éloignés de la voie du Seigneur ? Ou parce qu'ils ont résisté avec fanatisme à l'éclair oriental ? Et que Dieu les a maudits ? Oui, c'est possible. Tout à fait possible. Récemment, nous avons visité le site internet de l'éclair oriental. Nous avons tous le sentiment que l'éclair oriental provient de l'œuvre de Dieu. Oui. Ceux qui résistent à l'éclair oriental et le condamnent veulent s'opposer à Dieu. Oui. Oui. Quant à nous, nous devons amener nos frères et nos sœurs à étudier l'éclair oriental. Exact. Oui. On ne peut pas continuer à les suivre dans leur résistance. Oui. À vrai dire, nous en avons déjà le cœur net. La voie qu'empruntent les pasteurs et les anciens est la voie des pharisiens. Oui. Oui. À présent, ils ont pris le parti du gouvernement communiste. Ils condamnent fanatiquement l'éclair oriental. C'est ça le problème. Oui. Il a raison. Réfléchissons un peu. Le parti communiste chinois est un parti athée. Mais la communauté religieuse partage son point de vue. Et cela nous montre que la communauté religieuse est une force maléfique et satanique. Oui, il a raison. Oui, oui. À présent, la communauté est pleine de maléfices. Elle est devenue la grande Babylone maudite par Dieu. Qu'en pensez-vous ? Exact. Il a raison. Oui. C'est aussi ce que je pense. Oui, moi aussi. Oui. Oui. Dans ce cas, nous ne pouvons pas continuer à rester dans cette religion. Oui. Nous devons étudier l'éclair oriental et trouver l'œuvre de Dieu. Oui. Nous devons quitter cette ville immorale. Oui. De peur de prendre part à ses péchés. Exactement. Vous avez raison. La chose la plus urgente, c'est d'inviter au plus vite les témoins de l'éclair oriental. Oui. En effet. Nous devons faire en sorte qu'ils nous parlent. Nous pourrons ainsi confirmer que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Ah, c'est excellent. Autrement, nous serons réduits à chercher éternellement dans la communauté des croyants. Ce n'est pas la bonne voie. Ah, maintenant que vous le dites, je me rappelle qu'un membre de ma famille croit dans l'éclair oriental. Il m'a prêché l'évangile à plusieurs reprises, mais je l'ai rejeté à chaque fois. Peut-être que je devrais aller le trouver et l'inviter à venir. C'est une bonne idée. Oui, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alors, invitez-le, vite. D'accord. Si nous nous reposons sur nous-mêmes, ça prendra trop de temps. Alors, j'irai l'appeler demain. Bien. Rendons grâce au Seigneur. Sœur Ma, Shen Huize a invité les disciples de l'éclair oriental à donner des sermons. Oui, ils sont dans l'église abandonnée à l'est de la ville. J'ai peur que d'autres brebis aient été volées par l'éclair oriental. Oui. L'ancien Gu veut qu'on y aille examiner la situation. Oui. Je viens d'apprendre la nouvelle. Le pasteur Huang m'a dit qu'on ne pouvait pas continuer à appeler la police pour chaque disciple de l'éclair oriental. Une fois sur place, commençons par les écouter, puis débattons avec eux. Si ça ne fonctionne pas, on pourra les dénoncer et les faire arrêter. Très bien, allons-y. Grâce au Seigneur. Ces derniers jours, en écoutant attentivement les frères Liu et Qin, nous avons vu que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, l'œuvre qui commence par la maison de Dieu. Dieu Tout-Puissant s'exprime sur le jugement et sur la purification de l'humanité.
Ceci révèle la justice du tempérament et de l'autorité de Dieu, et nous a entièrement convaincus. Nous sommes déjà persuadés que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Amen. Oui, rendons grâce au Seigneur. Ces dernières années, nous n'avons pas étudié préalablement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Car nous avons été trompés et contrôlés par les pasteurs et les anciens de nos cultes. Les dirigeants religieux ont pris le parti du PCC. Ils répandent des rumeurs, ils résistent fanatiquement à Dieu Tout-Puissant, ils le condamnent et blasphèment. C'est vrai. Ils ont trompé et contrôlé tous les membres de la communauté. Oui. Et autrement dit, ils sont bien pires que les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens qui ont condamné le Seigneur Jésus, lui ont résisté et ont contrôlé les croyants qui cherchaient à accepter la voie authentique à l'époque. C'est effectivement la vérité. Nous devons faire preuve de discernement et voir clairement la racine et l'essence de la résistance des guides religieux à Dieu. Ainsi, nous pourrons échapper à leur domaine et à leur contrôle, accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, être enlevé devant son trône, être purifié et rendu parfait. Amen. Comment ils nous ont trouvés? Comment nous ont-ils trouvés? Pas de panique. Sœur Maëla. Venez ici, asseyez-vous tous. Asseyez-vous. Sœur Ma, frère Zhang, frère Wang. C'est comme si un chat croisait notre chemin. Ça ne présage rien de bon. C'est très inquiétant. Ils sont là pour nous convaincre que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Frères et sœurs, les quatre lunes de sang sont déjà apparues. Le grand désastre est sur le point de se dérouler. Oui. Oui. Nous n'accepterons l'œuvre de Dieu dans les derniers jours que lorsque nous verrons le Seigneur descendre sur un nuage après le désastre. Ne doutons-nous pas comme Thomas si nous demandons à voir avant de croire? Oui. Absolument. Cela peut-il valoir les louanges du Seigneur? À présent, nombreux sont ceux qui ne peuvent toujours pas reconnaître les pharisiens, les anciens et les pasteurs. C'est trop dangereux. Ils seront sûrement punis durant le grand désastre. La communauté religieuse est trop dangereuse. Nous avons donc invité le frère Liu et le frère Qin à témoigner en faveur de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. D'accord. Voyons voir comment le régime satanique du PCC et les forces de l'Antéchrist résistent à l'œuvre de Dieu. Oui. Si vous avez des questions, veuillez les poser. Amen. C'est formidable. Oui, nous devons chérir cette opportunité. Rendons grâce au Seigneur. Je poserai d'abord une question. Nous voyons tous désormais qu'il est important de déterminer l'essence des pharisiens religieux. Ceci est lié à notre capacité à rencontrer le Seigneur lorsqu'il reviendra et à être enlevé devant son trône. Cependant, la plupart de nos frères et sœurs ne comprennent pas. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus, les pharisiens interprétaient la Bible pour les autres dans la synagogue. Ils se tenaient devant le peuple et utilisaient les règles de la Bible pour le condamner. Ils avaient l'air très pieux à l'extérieur. Ils ressemblaient à des gens qui ne trahiraient jamais la Bible. Mais pourquoi les pharisiens ont-ils été maudits par le Seigneur Jésus? Pourquoi? Pour quelle raison? De quelle manière est-ce qu'ils ont résisté à Dieu? Comment ont-ils fait pour montrer leur hypocrisie? Pourquoi se sont-ils exposés à la colère de Dieu? Mes frères, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Bien sûr, bien sûr. Nous devons connaître la réponse à ces questions. Si nous pouvons comprendre ces aspects, nous pourrons reconnaître les pasteurs et les anciens religieux actuels. Est-ce que je n'ai pas raison? Éclairez-nous. Oui, nous avons vraiment besoin de savoir. Il faut nous éclairer. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le problème que nous avons est très important. Les gens qui croient au Seigneur savent que le Seigneur Jésus haïssait les pharisiens. Le Seigneur maudissait les pharisiens. Et il prononça contre eux cette accusation. Ceci est très utile pour permettre à ceux qui croient au Seigneur de reconnaître les pharisiens hypocrites, d'échapper à leur emprise et d'obtenir le salut de Dieu. Il est regrettable que de nombreux pharisiens ne puissent pas reconnaître l'essence de l'hypocrisie des pharisiens.
Ils ne comprennent même pas pourquoi le Seigneur Jésus haïssait et maudissait à ce point les pharisiens. Oui. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler des problèmes que nous rencontrons. D'accord, rendons grâce au Seigneur. Les pharisiens interprétaient souvent la Bible pour les autres dans la synagogue. Ils priaient souvent devant les autres et utilisaient la Bible pour condamner le peuple. Ils donnaient l'impression d'être de pieux protecteurs de la Bible quand on regardait de l'extérieur. Si c'était le cas, pourquoi le Seigneur les maudirait à ce point? Oui, pourquoi? En vérité, l'une des raisons principales est qu'en substance, ils étaient hypocrites et résistaient à Dieu. Les pharisiens ne se souciaient que d'administrer des cérémonies religieuses et de suivre les règles. Ils interprétaient les règles et les doctrines de la Bible et ne partageaient jamais la volonté de Dieu. Ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu et n'obéissaient pas à ses commandements. Ils ignoraient les commandements de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient était totalement contraire à la volonté de Dieu et à ses commandements. Telle est bien l'essence de l'hypocrisie des pharisiens. C'est la principale raison pour laquelle le Seigneur Jésus les haïssait et les maudissait. Exact. Le Seigneur Jésus l'a déclaré lorsqu'il les a dénoncés. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère ». Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. À présent que le Seigneur Jésus a dénoncé les pharisiens, nous pouvons clairement voir que bien que les pharisiens interprétaient la Bible pour les autres dans la synagogue, ils ne vénéraient pas du tout Dieu et ne lui rendaient pas grâce. Ils ne suivaient pas ses commandements. Ils remplaçaient les commandements par les traditions des hommes et oubliaient les commandements de Dieu. Ils s'opposaient à Dieu. N'est-ce pas une preuve irréfutable que les pharisiens servaient Dieu tout en lui résistant? Comment auraient-ils pu éviter les malédictions de Dieu? Les commandements de Dieu disaient clairement « Tu ne tueras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Mais les pharisiens ont ignoré les commandements de Dieu. Ils ont porté de faux témoignages et ont condamné et tué les prophètes et les hommes juste envoyés par Dieu. Ils ont résisté à Dieu. Le Seigneur Jésus a donc condamné et maudit les pharisiens en disant « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Amen. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Amen. Les pharisiens ont fanatiquement résisté à Dieu et ont tué les prophètes et les hommes justes qu'il a envoyés. Ils ont tenté de détruire l'œuvre de Dieu et d'empêcher que sa volonté se réalise. Ils ont provoqué la colère de Dieu. Comment aurait-il pu ne pas les maudire? Toutes les actions des pharisiens sont des faits. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Oui. Ne sommes-nous pas capables de voir l'essence des pharisiens? Ainsi que leur comportement hypocrite? Désormais, nous y voyons clairement. Oui. En effet, c'est la vérité. Les pharisiens ont abandonné les commandements de Dieu et se sont ouvertement opposés à lui. Ils ont ouvertement porté de faux témoignages et tué les prophètes envoyés par Dieu. Ils étaient maléfiques, des démons hypocrites. Ils méritaient d'être maudits par Dieu. Oui, les pharisiens ne sont que trop haïssables. Ils méritent d'être maudits, oui. Les pharisiens semblaient pieux à l'extérieur. Mais leur essence était trompeuse et sournoise.
ils étaient particulièrement doués pour jouer la comédie. Si le Seigneur Jésus n'avait pas dénoncé leurs mauvaises actions, dont leur trahison et leur abandon des commandements de Dieu, l'essence et l'hypocrisie des pharisiens nous seraient encore inconnues. À présent, penchons-nous à nouveau sur la condamnation des pharisiens par le Seigneur Jésus. Matthieu 23, 23-24. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important, dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Amen. Verset 27-28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'inquiété. Amen. Les pharisiens faisaient semblant d'être pieux devant les autres. Ils priaient délibérément dans la synagogue et dans les coins de rue. Lorsqu'ils jeûnaient, leur visage montrait leur tristesse. Ils inscrivaient des écritures sur leurs vêtements. Lorsqu'ils donnaient aux pauvres, ils voulaient qu'on les voie. Ils veillaient bien à ne pas oublier de payer leurs dîmes en menthe, en cumin ainsi qu'en anis. Et aussi, ils respectaient de nombreuses règles anciennes, comme ne pas manger sans s'être lavé les mains. Les pharisiens étaient très attentifs aux petits détails. Cependant, ils n'obéissaient pas aux exigences de Dieu, comme le fait d'aimer Dieu, d'aimer les autres, de se montrer juste, miséricordieux et fidèle. Ils ne suivaient pas du tout les commandements de Dieu. Ils parlaient de connaissances bibliques et de théories théologiques. Ils administraient des cérémonies en suivant les règles. C'est là le summum de leur hypocrisie et c'est ainsi qu'ils trompaient les autres. Amen. C'est la vérité. Leur comportement nous montre clairement que tout ce que faisaient les pharisiens visait à tromper et à contraindre les autres. La seule chose qu'ils cherchaient était la vénération. Ils se souciaient de gérer et de renforcer leur propre position et leur gagne-pain. Ils ont emprunté un chemin mensonger d'hypocrisie et de résistance à Dieu. C'est pour cela que leur résistance à Dieu a poussé Dieu à les maudire. Oui, ils ont raison. Ceux qui résistent à Dieu seront maudits. C'est la vérité. Les pharisiens n'aiment pas la vérité. Ils n'ont jamais pratiqué la parole de Dieu ni respecté ses commandements. Ils ne se consacraient qu'aux cérémonies religieuses et arpentaient une voie de résistance à Dieu. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus est venu réaliser son œuvre, leur nature satanique, leur hypocrisie et leur hostilité ont été pleinement dénoncées par Dieu. Oui. Les pharisiens savaient très bien que les paroles du Seigneur Jésus étaient porteuses d'autorité et de pouvoir. Non content de ne pas rechercher l'essence et la source des paroles et de l'œuvre du Seigneur Jésus, ils ont intentionnellement calomnié le Seigneur Jésus. Ils ont dit que le Seigneur Jésus chassait les démons. Ils ont décrit l'œuvre du Seigneur Jésus investi du pouvoir de Dieu comme étant de la folie. Ils ont commis le péché de blasphème contre le Saint-Esprit et ont offensé le tempérament de Dieu. Les pharisiens ont non seulement blasphémé et condamné eux-mêmes le Seigneur Jésus, mais ils ont aussi trompé les croyants, les poussant à résister au Seigneur Jésus et à le condamner. Ils ont privé les croyants du salut de Dieu et en ont fait leur objet funéraire et leur victime. Les pharisiens sont vraiment haïssables. Alors, le Seigneur Jésus les a condamnés et maudits en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Amen. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la GN. Deux fois plus que vous. Amen. Deux fois plus. C'est néfaste. Nous voyons que les pharisiens étaient des hypocrites qui résistaient à Dieu et blasphémaient à son encontre, des antéchrists qui se posaient en ennemis de Dieu. Amen. C'était un groupe maléfique qui dévorait les âmes des hommes et les attirait en enfer. C'est tout à fait juste. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dénoncé les pharisiens en portant contre eux les 7 accusations. Ceci montre clairement la sainteté et le juste tempérament de Dieu qui ne peut pas être offensé. Amen. Est-ce que je n'ai pas raison ? Si, oui. Vos propos sont limpides. Je comprends enfin pourquoi les pharisiens ont été maudits par le Seigneur Jésus. Oui. Pourquoi j'ai le sentiment que les pasteurs et les anciens sont semblables aux pharisiens ? Non, ce n'est pas vrai. Ils sont en effet très semblables. Grâce à Dieu. Maintenant, nous identifions avec plus de discernement l'hypocrisie des pharisiens. Penchons-nous sur les pasteurs et les anciens contemporains. D'accord. Ils ne parlent que de connaissances bibliques et de théories théologiques. Ils administrent des cérémonies en suivant les règles. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu et ne réalisent pas ses commandements. Ils sont semblables aux pharisiens. Ils sont sur une voie qui sert Dieu, mais qui lui résiste également. Le Seigneur Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ceux qui aiment Dieu doivent pratiquer ces paroles et toujours les garder à l'esprit. Ils doivent être responsables des vies de leurs frères et sœurs. Oui, c'est vrai. Il a raison. Les pasteurs et leurs anciens sont confrontés à des églises vides et à la foi des croyants qui diminuent. Ils ne trouvent pas l'eau vive de la vie pour les croyants. Lorsque Dieu Tout-Puissant vient manifester la vérité et donner vie aux gens, il ne l'étudie et ne l'accepte pas. Il lui résiste et la condamne, en empêchant les croyants de chercher la voie authentique. Ils empêchent les croyants de contacter l'Église de Dieu Tout-Puissant et l'empêchent de lire ses paroles. Ou encore pire, ils attaquent ceux qui répandent l'Évangile de son royaume. Il leur arrive même d'appeler la police et de les faire arrêter. Ne font-ils pas le mal et ne résistent-ils pas à Dieu par toutes leurs actions ? Bien sûr. En quoi leurs actions sont-elles différentes de la manière dont les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus ? Il n'y a aucune différence avec les pharisiens. Les pasteurs et les anciens protègent leur situation et leur gagne-pain, en empêchant les croyants d'accepter le salut des derniers jours. Ne pensez-vous pas qu'ils entraînent les gens en enfer ? Oui, vous avez raison. Ne sont-ils pas les méchants serviteurs dont parlait le Seigneur Jésus ? Ne sont-ils pas les pharisiens des temps modernes ? Si, en effet, ce qu'il dit est la vérité. Oui, c'est bien le cas. Les pasteurs et les anciens ne sont pas de vrais croyants ni de vrais serviteurs de Dieu. Ils trahissent constamment les paroles de Dieu, abandonnent ses commandements et le prennent pour un ennemi. Le Seigneur Jésus a déclaré que seuls ceux qui accomplissent la volonté du Père peuvent accéder à son royaume. Amen. Les pasteurs et les anciens disent que les gens justifiés par la foi et sauvés par la grâce iront au royaume des cieux. Ne trahissent-ils pas les paroles du Seigneur en le contredisant directement ? Oui, ils contredisent le Seigneur. Le Seigneur Jésus a demandé que votre parole soit oui, oui, non, non. Amen. Pourtant, les pasteurs et les anciens condamnent Dieu Tout-Puissant et blasphèment. Il ment et diffame l'Église de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus a déclaré « Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. » Les pasteurs et les anciens ne nous permettent pas de recevoir ceux qui répandent l'Évangile du royaume. Ceux qui les reçoivent sont chassés de l'Église. Oui, c'est ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus demande aux gens d'être des vierges sages, d'écouter la voix de l'époux et d'aller l'accueillir. Mais quand les pasteurs et les anciens entendent quelqu'un parler du retour du Seigneur Jésus, ils jugent et condamnent sans jamais examiner la chose. Je ne sais vraiment pas quelles phrases des paroles du Seigneur les pasteurs et les anciens pratiquent. Ils n'en pratiquent aucune. Si les pasteurs et les anciens croyaient vraiment en Dieu, s'ils craignaient Dieu le moins du monde, ils ne répandraient pas à ces mensonges, ils ne condamneraient pas fanatiquement Dieu Tout-Puissant et ne lui résisteraient pas. C'est la vérité. Les pasteurs et les anciens sont les pharisiens modernes. C'est tout à fait exact. C'est vrai, ce sont des pharisiens. C'est vrai.
Vu de l'extérieur, les pasteurs et les anciens semblent humbles, patients et pieux. En réalité, ils sont sournois et funestes. Ces dernières années, ils ont persisté dans leur condamnation fanatique de Dieu Tout-Puissant. Ils battent les frères et les sœurs qui répandent l'évangile du royaume. Ils vont même jusqu'à les dénoncer et les faire arrêter. Ne sont-ils pas les méchants serviteurs et les antéchrists dénoncés par Dieu dans les derniers jours? Ne sont-ils pas les pharisiens des temps modernes? Cette progéniture satanique est vouée à être maudite et punie par Dieu. Hey, ce n'est pas la vérité. En effet. Frères et sœurs, pourquoi condamner les pasteurs et les anciens? Oui. L'éclair oriental a volé tant de nos bonnes brebis. Les pasteurs et les anciens essayent simplement de protéger le troupeau. Nous devons essayer de les comprendre. Réfléchissez-y. Si les croyants sont tous volés, les pasteurs et anciens ne donneront plus de sermons. C'est vrai. En tant qu'hommes, ne devons-nous pas avoir une conscience? On ne peut pas les traiter comme les pharisiens. Ce que vous dites sur la résistance des pharisiens est exact. Mais les pasteurs et les anciens ne lui résistent pas. C'est exact. Ne lancez pas de telles accusations sur eux. Ils ne pratiquent peut-être pas les paroles du Seigneur et ne gardent peut-être pas ses commandements. Ils résistent à l'éclair oriental. Mais c'est pour garder la voix du Seigneur et protéger le troupeau. Amen. Ce n'est pas pour protéger leur position ou leur gagne-pain. Comment pouvez-vous dire que les pasteurs et les anciens sont des pharisiens hypocrites? Oui. Frère Zhang, est-ce que vous dites vraiment la vérité? En quoi est-ce que c'est faux? Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Les pasteurs et les anciens n'étudient ni les paroles ni l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils ne font que lui résister et le condamner avec fanatisme. Je vous demande de me dire, en quoi est-ce que c'est différent des pratiques des pharisiens? C'est la même chose. Chacun d'entre nous l'a clairement remarqué. Vous trouvez vraiment que ce sont de vaines accusations? À présent, l'église est désertée. Nos frères et sœurs n'ont pas de route à suivre. La vérité de Dieu Tout-Puissant nous fournit la vie. Elle résout les difficultés au sein de notre foi. Les pasteurs et les anciens cloisonnent l'église. Ils préféraient laisser les brebis mourir de soif ou de faim que de laisser les croyants rechercher l'eau vive de la vie. Est-ce protéger les brebis ou dévaster le troupeau? Ils dévastent le troupeau. Dites-moi s'il s'agit de bons ou de méchants serviteurs. Toute personne douée de jugement peut le constater. Vraiment, vous ne vous en rendez pas compte? Frère Zhang, écoutez-les parler de ce sujet. Le frère Lin a tout à fait raison. Oui, c'est vrai. J'ai compris tout ce qu'il voulait dire. Frère Liu, frère Qin. Grâce à la Bible, nous savons tous que les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Mais la plupart de nos frères et sœurs ne comprennent pas que quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les pharisiens savaient bien que ses paroles étaient porteuses d'autorité et de pouvoir. Ils ont néanmoins condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Ils l'ont tout de même cloué sur la croix. Quelle était leur nature et quelle était leur essence? Parlez-nous-en de manière plus concrète. Oui. Il faut vraiment qu'on comprenne ce problème. Si nous comprenons la résistance des pharisiens au Seigneur Jésus, nous comprendrons la résistance des pasteurs et anciens à Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous ne serons plus trompés ni liés par eux. Est-ce que je n'ai pas raison? Oui, s'il vous plaît, parlez-nous-en. Oui. S'il vous plaît, parlez-nous-en. Oui, je veux vraiment. Grâce à Dieu, vous avez raison. Ceux qui croient au Seigneur savent bien que les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus. Mais quelle était la racine, la véritable essence de leur résistance au Seigneur? On peut dire qu'en 2000 ans d'histoire religieuse, personne n'a trouvé la réponse à cette question. Bien que la malédiction prononcée par le Seigneur Jésus à l'encontre des pharisiens soit dans le Nouveau Testament, personne jusqu'ici n'a été capable de déterminer l'essence des pharisiens. Lorsque Dieu Tout-Puissant arrive dans les derniers jours, il donne la réponse à cette question. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie.
De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé. Et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie, et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants, et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est « Quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. » Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Amen. Le point de vue des pharisiens est trop absurde. Frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant le dit très clairement. La résistance et la condamnation du Seigneur Jésus par les pharisiens résident dans le fait qu'ils ne vénéraient pas Dieu et ne recherchaient pas la vérité. Au fond d'eux-mêmes, ils étaient entêtés, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. C'est exact. Les pharisiens définissaient Dieu dans le cadre de leur propre conception erronée, dans le cadre des termes littéraux de la Bible. Ils ne gardaient le Messie qu'en apparence. Peu importait la profondeur et la justesse des enseignements du Seigneur Jésus, leur véracité, ou l'autorité et le pouvoir dont ses paroles étaient investies. Les pharisiens se sont opposés à lui et l'ont condamné parce que son nom n'était pas Messie. C'est vrai. Les principes de leur foi sont ce que dit Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Non seulement les pharisiens ont refusé d'accepter les vérités exprimées par le Seigneur Jésus, mais ils l'ont également tenté et ont essayé de le mettre en faute. Par exemple, ils ont tenté le Seigneur Jésus en lui demandant ce qu'il employait pour réaliser des miracles et en lui demandant sciemment s'il devait payer des impôts à César. Ils ont demandé au Seigneur Jésus s'il était le Fils de Dieu, le Christ, etc. Le Seigneur Jésus a déjoué leur plan maléfique, à force de vérité et en utilisant sa sagesse. Les pharisiens n'avaient pas le pouvoir de le confondre, mais ils n'ont pas voulu rechercher la vérité. Ils ont condamné le Seigneur Jésus et ils lui ont résisté. Ils l'ont fait arrêter et ils ont exigé qu'il soit cloué sur la croix. Comme l'a déclaré le Seigneur Jésus quand il les a dénoncés. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Amen. Nous pouvons donc voir que les pharisiens, en nature comme en essence, étaient des démons sataniques, des ennemis de Dieu qui haïssaient la vérité. C'est vrai, ils haïssaient la vérité. C'est vrai. Frères et sœurs, dites-moi quel genre de personne peut vouloir condamner et haïr le Christ? Les pharisiens. Oui, c'est certain. Toute l'histoire des pharisiens nous démontre un fait. Ceux qui croient en Dieu, mais n'aiment pas la vérité, qui se méfient et détestent la vérité, sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. En outre, ces gens résistent sûrement à Dieu et le désignent comme leur ennemi. Oui, c'est la vérité. Parce que l'essence du Christ est la vérité, le chemin ainsi que la vie. Amen. Alors, quiconque déteste la vérité
détestent dans ce cas également le Christ. Ce sont des paroles sensées. Nombreux sont ceux qui haïssent la vérité et semblent bons à l'extérieur. Ils suivent toutes les règles de la Bible et ne semblent pas mauvais du tout. Mais quand le Christ viendra accomplir son œuvre, ses ennemis sataniques de Dieu seront complètement mis à nu. Rendons grâce au Seigneur, c'est la vérité. En effet. La condamnation du Seigneur Jésus par les pharisiens dévoile totalement leur essence démoniaque en s'opposant à la vérité. C'est vrai. Nous savons tous que quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, il a exprimé de nombreuses vérités, il a réalisé des miracles et apporté beaucoup de grâce aux gens. L'œuvre du Seigneur a ébranlé les fondations du judaïsme et scandalisé l'État juif. Nombreux sont ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus. Les pharisiens savaient pertinemment que si le Seigneur Jésus continuait à accomplir son œuvre, tous ceux qui croyaient au judaïsme finiraient par le suivre. Cela aurait causé la perte du judaïsme. Et ils auraient perdu leur situation ainsi que leur gagne-pain. Oui. C'est pour cela qu'ils ont décidé de tuer le Seigneur Jésus. Et comme le dit un passage de la Bible, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Pour protéger leur statut ainsi que leur gagne-pain, les pharisiens ont conspiré avec le gouvernement romain pour clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Ils déclarèrent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous l'avez vu, les pharisiens haïssaient la vérité et haïssaient le Christ. Ils avaient depuis longtemps renoncé à coexister avec le Christ. Ils préféraient abandonner le sacrifice d'expiation que renoncer à le crucifier. Ils préféraient commettre de monstrueux péchés, offenser Dieu et causer une malédiction sur leurs fils et petits-fils que de renoncer à crucifier le Seigneur Jésus qui exprime la vérité de la rédemption. Telles sont la véritable nature et la véritable essence satanique des pharisiens. Amen. Telle est leur vraie nature. Les pharisiens sont ignobles. Lorsque les pharisiens ont crucifié le Seigneur Jésus, le soleil a noirci, la terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus est revenu. Après avoir pris connaissance de ces faits, les hommes se sont repentis et se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Et les pharisiens, vous vous demandez ce qu'ils ont fait ? Ils ne se sont pas repentis et ont redoublé d'efforts contre le Seigneur Jésus. Ils ont payé des soldats pour qu'ils portent de faux témoignages et disent qu'il n'est pas ressuscité. Quand les apôtres ont répandu son évangile, les pharisiens les ont capturés et les ont persécutés. Ils ont voulu bannir l'œuvre du Seigneur Jésus pour réaliser leurs ambitions de contrôler à tout jamais la communauté religieuse. Oui, oui, c'est vrai. Les pharisiens ne croyaient en Dieu qu'à titre officiel. En réalité, ils haïssaient la vérité et résistaient à Dieu. Ils résistaient au Seigneur Jésus pour les raisons suivantes. Ils tentaient de concurrencer Dieu. Ils le jaugeaient et combattaient Dieu. L'arrogance de leur haine du Seigneur Jésus a entièrement dévoilé leur ambition, ainsi que leur visage maléfique et satanique. Elle a montré leur nature démoniaque d'antéchrist, refus de repentance, haine effrénée de la vérité et haine de Dieu. Alors tout cela est mérité. Les pharisiens ont mérité d'être maudits. Frères et sœurs, réfléchissons un peu plus. N'est-ce pas ainsi que les pasteurs et les anciens de la communauté religieuse traitent Dieu Tout-Puissant ? C'est vrai. Si nous pouvions voir clairement combien les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, nous saurions certainement que les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient exactement de la même manière. Les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant de la même manière que les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus. Grâce au Seigneur, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont vraiment ouvert les yeux et apporté du discernement. Nous comprenons que la nature et l'essence des pharisiens
est basé sur la haine de la vérité et la résistance à Dieu. Naturellement, plus le Seigneur Jésus exprimait la vérité, plus les pharisiens le haïssaient. Ils étaient déterminés à le clouer sur la croix. C'est vrai. Les pharisiens étaient des ennemis de Dieu et des démons irréconciliables avec Dieu. Ils méritaient d'être maudits. Amen. Ils méritaient d'être maudits. Les deux fois où Dieu s'est incarné, il a dénoncé et condamné les pharisiens. Il examine le cœur d'un homme en profondeur. Seul Dieu peut voir l'essence de la nature des gens. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas dénoncé la nature satanique des pharisiens, ces ennemis de la vérité qui résistent à Dieu, la seule lecture de la Bible et l'interprétation de la Bible par les anciens n'aurait pas suffi à voir l'essence démoniaque des pharisiens, même en s'y essayant une vie entière. Seul Dieu peut voir l'essence des hommes. Oui, c'est bien ça. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens ont voulu clouer le Seigneur Jésus sur la croix. 2000 ans plus tard, les dirigeants religieux ont fait se répéter l'histoire en clouant à nouveau Dieu sur la croix. Nous avons tous bien vu que Dieu Tout-Puissant réalise l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu dans les derniers jours. Il exprime des vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Il dévoile tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Il juge et expose la nature satanique de l'humanité qui résiste à Dieu et le trahit. Il leur montre simplement son juste tempérament qui ne peut pas être offensé. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Elles sont investies d'une autorité. Amen. Et nous convainquent pleinement. Amen. En effet, ces vérités purifient et elles sauvent notre humanité. Amen. En effet. Alors que dire des pasteurs et des anciens d'aujourd'hui? Ils ne se soucient pas du fait que les paroles de Dieu Tout-Puissant soient la vérité, de l'autorité et du pouvoir dont elles sont investies, de leur capacité à nous purifier et nous sauver. Ils s'entêtent à perpétuer leur idée fausse. Si vous ne descendez pas sur un nuage et que vous ne m'élevez pas au royaume des cieux, vous n'êtes pas le retour du Seigneur Jésus. Ils résistent et condamnent frénétiquement Dieu Tout-Puissant. Tout ceci est vrai. Ils ne gardent le Seigneur Jésus qu'en apparence, mais résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent avec fanatisme. En quoi est-ce que leurs actions diffèrent de celles des pharisiens qui gardaient le nom du Messie mais condamnaient le Seigneur Jésus ? Il n'y a aucune différence. C'est vrai. Leur essence n'est-elle pas la même que celle des pharisiens ? Entêtés, arrogants, désobéissant à la vérité, haïssant la vérité ? Ils croient en un Dieu vague dans les cieux. Et ainsi, ils nient le Christ, ils lui résistent et ils le condamnent. Ils sont les rivaux irréconciliables du Christ. Alors, ne sont-ils pas simplement des antéchristes qui nient le Christ, le condamnent et lui résistent ? Amen. Si, c'est vrai. La Bible nous dit, « Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Amen. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu incarné sont donc des antéchrists. Tous ceux qui résistent au Christ et le condamnent sont des antéchrists. C'est vrai. C'est pourquoi tous les pharisiens juifs ont été révélés comme antéchrists par l'œuvre du Seigneur Jésus. Les pasteurs et les anciens dans les derniers jours sont tous des antéchrists qui sont révélés par l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu incarné révèle la nature des gens. Tout ce qu'exprime le Christ dans les derniers jours est la vérité. Il révèle non seulement les vierges sages et les vierges folles, mais il démasque également toutes les sortes d'antéchrists et de mécréants. Oui. C'est une vérité que personne ne peut nier. L'œuvre de Dieu est sage et omnipotente. C'est vrai. Frères et sœurs, les chefs religieux dans les derniers jours, ainsi que les grands prêtres juifs,
Les scribes et les pharisiens, l'essence et les racines de leur résistance à Dieu sont identiques. Oui. La manière dont les pasteurs et les anciens résistent à Dieu est encore plus méprisable que celle des grands prêtres, des scribes et des pharisiens. Depuis que Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre en commençant par la maison de Dieu, tous les courants religieux ont été enlevés au profit du trône de Dieu, à condition qu'ils attendent l'apparition de Dieu. Amen. Loué soit le Seigneur. C'est vraiment le cas. Les pasteurs et les anciens ne reculent devant rien pour résister et condamner Dieu Tout-Puissant. Le tout pour limiter les croyants et stabiliser leur position. Ils répandent des rumeurs, portent de faux témoignages et blasphèment à l'encontre de Dieu Tout-Puissant. Ils cloisonnent l'Église et interdisent strictement aux croyants d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Oui, ils sont vraiment trop venimeux. Ils menacent, effraient, tournent en ridicule et maltraitent les frères, les sœurs qui répandent l'évangile du royaume. Ils conspirent même avec le diabolique PCC pour les capturer et les persécuter, privant des centaines de milliers de frères et sœurs de leur foyer. Au moins 100 000 personnes ont été brutalement torturées par le PCC. Nombre d'entre elles ont même été tuées. C'est vrai. La résistance des pasteurs et des anciens est même plus fanatique que ne l'était la résistance des pharisiens au Seigneur Jésus. Leurs mauvaises actions envers Dieu sont nombreuses. Dieu Tout-Puissant les a jugés et les a maudits il y a bien longtemps. Amen. Lisons des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Page 894. Dieu Tout-Puissant a dit: combien d'entre eux cherchent la vérité et suivent la justice? Ils sont tous des animaux comme les porcs et les chiens, menant un vol de mouches puantes vers un tas de fumier, branlant la tête et provoquant le désordre. Ils croient que leur roi de l'enfer est le plus grand des rois, sans se rendre compte qu'ils ne sont rien de plus que des mouches sur de la pourriture. Avec des ailes vertes sur le dos, ce qui se réfère à leur prétention de croire en Dieu, ils deviennent vaniteux et se vantent partout de leur propre beauté et de leur attrait, rejetant secrètement leurs impuretés sur l'homme. Et ils sont même suffisants, comme si une paire d'ailes à couleur de l'arc-en-ciel pouvait camoufler leurs propres impuretés. Et ainsi, ils persécutent l'existence du vrai Dieu, ce qui se réfère à la vraie histoire du monde religieux. L'homme ignore que les ailes de la mouche sont belles et féeriques, mais qu'après tout, il ne s'agit pas plus que d'une mouche minuscule qui est pleine de saleté et couverte de germes. Avec la force de leurs porcs et de leurs chiens de parents, ils se déchaînent à travers le pays. Cela fait référence aux autorités religieuses qui persécute Dieu sur la base d'un fort soutien du pays et qui trahit le vrai Dieu et la vérité, avec une férocité écrasante. C'est comme si les fantômes des pharisiens juifs étaient revenus avec Dieu à la nation du grand dragon rouge, de retour à leur ancien nid. Ils ont à nouveau commencé leur travail de persécution, poursuivant leur travail qui chevauche plusieurs milliers d'années. Il est certain que ce groupe de dégénérés périra sur la terre à la fin. Amen. Le tempérament de Dieu ne peut pas être offensé par les hommes. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont été diffusées par les journaux, la télévision et Internet il y a bien longtemps. Diverses vidéos sur l'Évangile ont déjà été publiées sur Internet pour témoigner de la manifestation et de l'œuvre de Dieu dans le monde. Il y a eu des conséquences parmi la communauté des croyants et l'humanité. Les pasteurs et les anciens ont constaté une tendance croissante. Les paroles de Dieu Tout-Puissant gagnent les membres de la communauté religieuse. Ni personne, ni aucune force ne peut l'arrêter. Ils sont devenus irritables et résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant et le condamnent. Ils déclarent hors la loi l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et tentent de réaliser leurs rêves les plus fous, contrôler la communauté et dominer les élus de Dieu.
tous ces faits suffisent à prouver que les pasteurs et les anciens dans les derniers jours sont la réapparition des pharisiens. Ils sont les démons de l'Antéchrist qui détruisent l'œuvre de Dieu et jurent sur leur vie qu'ils sont des ennemis de Dieu. Amen. Leurs nombreux péchés ont déjà provoqué la colère de Dieu. Comment peuvent-ils échapper au juste jugement et à la punition de Dieu? Amen. C'est bien la vérité. Ils sont prêts à blasphémer contre Dieu afin de protéger leur situation et leur gagne-pain. Ils feraient n'importe quelle mauvaise action pour résister à Dieu. Ces gens sont vraiment mauvais, méprisables et vicieux. Ce sont des démons réincarnés. Ils méritent d'être maudits. Amen. C'est vrai. Nous devrions les dénoncer et les rejeter. Nous devons rompre avec eux et sortir de leurs mauvaises actions. En effet. Ceci est conforme à la volonté de Dieu. Ils nous mettaient en garde contre les faux Christ et antéchrist. En réalité, ce sont eux les antéchrists. Ce sont des voleurs qui crient aux voleurs. Dans le passé, nous étions ignorants et aveugles. À présent, nous pouvons voir leur vrai visage. Pourquoi mettez-vous les pasteurs et les anciens dans le même sac que les pharisiens? Oui. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant dépasse le cadre de la Bible. Les pasteurs et les anciens résistent à Dieu pour protéger la Bible. Amen. Vous trouvez qu'ils ont tort de faire cela? Non. Non. Le frère Zhang a raison. Ils interprètent la Bible, exaltent la Bible et protègent la Bible. Amen. Comment peuvent-ils résister au Seigneur? Ceux qui l'interprètent ne peuvent pas résister au Seigneur. Exact. Les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens l'interprétaient et la préservaient. Alors pourquoi n'ont-ils jamais reconnu le Seigneur Jésus? Pourquoi lui ont-ils résisté, capturé et persécuté ses disciples? Les pharisiens interprétaient souvent la Bible et la protégeaient. Pourquoi le Seigneur Jésus les a-t-il maudits? Comment l'expliquez-vous? Frères et sœurs, les pasteurs et les anciens nient, jugent et condamnent Dieu Tout-Puissant afin de protéger leur situation et leur gagne-pain. Oui. C'est leur nature satanique. Ils haïssent la vérité autant qu'ils haïssent Dieu. Ils sont bien les pharisiens hypocrites des temps modernes. Ce sont des antéchrists qui nient Dieu incarné. Amen. Ceci est un fait que nous avons tous compris. Oui. Cependant, de nombreux frères et sœurs vénèrent encore les pasteurs et les anciens. Ils ne comprennent pas pourquoi les pasteurs et les anciens, bien qu'ils interprètent et exaltent souvent la Bible, haïssent quand même la vérité, résistent à Dieu Tout-Puissant incarné et le condamnent. Oui, c'est vrai. Interpréter la Bible et exalter la Bible, est-ce la même chose que témoigner du Seigneur et exalter le Seigneur? La plupart des gens ne comprennent pas ce problème. Frères, parlez-nous-en un peu plus. Oui, parlez-nous-en un peu plus, d'accord, s'il vous plaît. Frères et sœurs, une atmosphère se développe dans la communauté religieuse. Ceux qui interprètent le mieux la Bible, qui ont la meilleure théorie, ceux-là sont souvent largement loués et vénérés. Ceux qui peuvent interpréter les mystères de la Bible et les prophéties sont de loin les plus vénérés. Ainsi, beaucoup de gens vénèrent les pasteurs et les anciens de l'Église. Ils considèrent le fait d'interpréter la Bible comme un témoignage du Seigneur. Quand ils voient les pasteurs et les anciens résister à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et la condamner, la plupart d'entre eux se sentent tiraillés et perdus. D'un côté, ils pensent que le fait que les pasteurs et les anciens interprètent la Bible signifie qu'ils témoignent du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. D'un autre côté, tout ce qu'exprime Dieu Tout-Puissant est la vérité. Mais pourquoi les pasteurs et les anciens le condamnent-ils? Condamnent-ils Dieu Tout-Puissant parce que son nom n'est pas le Seigneur Jésus? Cependant, Dieu Tout-Puissant dit la vérité. Il ne doit pas être condamné. Dans ce cas, pourquoi les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent puisqu'il dit la vérité? Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Oui, en effet, pourquoi? À vrai dire, ce problème n'est pas si difficile à expliquer. Si on songe à l'époque où le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens
N'ont-ils pas condamné le Seigneur Jésus de la même manière? N'ont-ils pas cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ce n'était pas parce que le Seigneur Jésus n'était pas nommé Messie? Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait exprimé de nombreuses vérités? Ils ont vu que les paroles du Seigneur Jésus étaient pleines d'autorité et de pouvoir, qu'il pouvait faire des miracles. Ils ont vu que des milliers de gens le suivaient. Ça a scandalisé toute la Judée. S'ils avaient permis au Seigneur de répandre son œuvre, le judaïsme lui-même aurait été bouleversé. Les conséquences pour le judaïsme auraient été inimaginables. Ils se sont mis à nourrir de la haine pour le Seigneur Jésus et à vouloir le tuer. C'est ainsi que le Seigneur s'est retrouvé cloué par eux sur la croix. Les pharisiens étaient vraiment ignobles. À l'époque, les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens, n'interprétaient-ils et n'exaltaient-ils pas la Bible? Alors pourquoi ont-ils cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Pour faire simple, n'était-ce pas parce que les pharisiens haïssaient la vérité et l'œuvre de Dieu? Pour protéger leur situation et leur gagne-pain, ils se montraient sans scrupules et vicieux envers Dieu. Vous le voyez, ils étaient prêts à faire n'importe quelle mauvaise action pour lui résister. C'est la vérité. Oui. N'est-il pas facile de voir que la nature des prêtres, scribes et pharisiens n'est autre que la haine de la vérité et la résistance à Dieu? Ils ont exalté la Bible pour protéger leur situation et leur gagne-pain. Ils étaient pleins de haine pour Dieu et pour la vérité. Alors, quand le Seigneur Jésus a exprimé la vérité, leur véritable nature, la haine de la vérité et la résistance à Dieu étaient mises à nu. Vous l'aurez compris, que les gens résistent ou non à Dieu ne dépend pas de la manière dont ils interprètent la Bible. Mais cela dépend aussi de leur nature. Pour ceux qui possèdent une nature qui est la vérité, peu importe s'ils interprètent bien la Bible, leur haine intérieure de la vérité et leur résistance à Dieu ne peuvent pas changer. Les pharisiens n'ont-ils pas utilisé leurs interprétations de la Bible pour condamner le Seigneur Jésus? C'est une chose que Dieu a révélée il y a longtemps à travers son œuvre. Ne le voyons-nous donc pas? À présent, nous voyons clairement leur vraie nature. Ils ont résisté. Frères et sœurs, les pharisiens, ainsi que les pasteurs et les anciens, interprètent la Bible. Cependant, comment peuvent-ils toujours résister à Dieu et le condamner? Il y a une autre vérité à comprendre. La Bible n'est qu'un témoignage de Dieu. Elle consigne l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Dieu exprime la vérité à chaque étape de son œuvre. À l'intérieur de ses paroles, les gens trouvent son tempérament, ce qu'il a et ce qu'il est. Donc, quand les gens découvrent une étape de l'œuvre de Dieu, ils comprennent la vérité et améliorent leur connaissance de Dieu. Durant les trois étapes de l'œuvre de son plan de gestion, Dieu a progressivement révélé son tempérament intrinsèque, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est. Durant l'ère du règne, Dieu révèle pleinement la justice de son tempérament, son omnipotence et sa sagesse, son autorité ainsi que sa gloire. Et si nous ne connaissons Dieu que via son œuvre, durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, cela représente une connaissance bien trop limitée. C'est comme durant l'ère de la loi, quand les croyants reconnaissaient la réalité de l'existence de Dieu et de ses sages actions, grâce à l'œuvre de l'Éternel Dieu, ils ont appris que les lois de l'Éternel Dieu ne pouvaient pas être enfreintes. Dans l'ère de la grâce, quand les croyants ont vu l'œuvre du Seigneur Jésus, ils ont su qu'il était le Rédempteur de l'humanité, plein de miséricorde. Cependant, ils n'ont pas compris l'essence de Dieu, ni la justice de son tempérament intrinsèque. Oui. Oui. Ils n'ont pas acquis la connaissance de Dieu. Nous ne connaissons vraiment pas Dieu. Nous pouvons donc voir que, si nous ne connaissons vraiment Dieu que via son œuvre,
durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, notre connaissance de Dieu sera univoque. Nous ne connaîtrons qu'une partie de son tempérament et de ce qu'il est. Nous ne parviendrons pas à sa véritable connaissance. Frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu et interprètent la Bible sont susceptibles de le définir et de lui résister. N'est-ce pas la vérité ? Quiconque ne connaît pas Dieu peut lui résister. Cependant, non seulement les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens n'avaient absolument aucune connaissance de Dieu, mais plus important encore, ils avaient une nature satanique car ils haïssaient la vérité et résistaient à Dieu. Tel était leur tare fatale. Si leur cœur était bon, ils n'auraient jamais pu clouer le Seigneur Jésus, qui était plein d'amour, rédempteur de l'humanité, sur la croix, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. À présent, nous pouvons voir que Dieu n'avait aucune place au sein du cœur des pharisiens. Leur situation et leur gagne-pain comptaient plus que tout. Au moment où l'œuvre de Dieu est devenue une menace pour leur situation et leur gagne-pain, ils ont commencé à traiter Dieu comme un ennemi et ils l'ont tué. Comme vous pouvez le voir, leur cœur et leur nature et substance étaient toxiques. Pas étonnant que Dieu les ait décrits en vipères. C'est vrai, c'est vrai. Et bien que les dirigeants religieux ne connaissent pas Dieu, ceux qui condamnent fanatiquement Dieu et lui résistent seront néanmoins dénoncés comme des antéchrists. Amen. Bien sûr, certains dirigeants religieux ont leur propre conception de l'œuvre de Dieu, mais leur cœur qui craint Dieu les empêchera de condamner ou de résister verbalement à Dieu. Tenez, par exemple, quand le Seigneur a accompli son œuvre, Gamaliel, un docteur de la loi, n'a pas condamné le Seigneur Jésus. Gamaliel n'a pas condamné le Seigneur Jésus. Nicodème a pu chercher la vérité du Seigneur Jésus pendant la nuit. Tous ces faits sont consignés dans la Bible. Nous devons rechercher la vérité. Vous l'avez vu. Si des gens croient en Dieu sans le connaître ou possèdent un cœur qui craint Dieu, alors ils seront capables de résister à Dieu. Si des gens qui possèdent une nature qui hait la vérité et un cœur toxique deviennent des leaders religieux, ils seront tôt ou tard dénoncés comme des antéchrists. Amen. C'est un fait que personne ne peut nier. C'est vrai. Avez-vous tous compris cet aspect ? Bien compris. C'est vrai. Maintenant, j'y vois plus clair. Oui, les gens toxiques qui deviennent pasteurs et anciens sont des antéchrists. À l'époque, le Seigneur Jésus a dénoncé de manière très critique et maudit les pharisiens hypocrites. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a dénoncé, jugé et condamné les religieux qui manifestent l'antéchrist avec leur interprétation erronée et leur insistance dans le chemin de la résistance. Lisons deux autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Veuillez vous rendre à la page 855. Dieu Tout-Puissant dit: ils lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours. Mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu ?
Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? Une telle personne s'oppose toujours au nouveau travail de Dieu, ne montre aucune intention à se soumettre et n'a jamais obéi avec docilité ou ne s'est jamais rabaissé. Il s'exalte devant les autres et ne se soumet jamais à quelqu'un d'autre. Devant Dieu, il se considère comme le plus compétent dans la prédication de la parole et le plus habile à transformer les autres. Il ne se débarrasse jamais des trésors déjà en sa possession, mais les considère comme des biens de famille qui doivent être adorés, prêchés aux autres et utilisés pour enseigner à ces imbéciles qui l'adorent. Il pense que prêcher la parole est leur plus grand devoir. D'année en année et de génération en génération, ils s'acquittent de leur saint et sacré devoir. Personne n'ose les bousculer et personne n'ose les reprocher ouvertement. Ils sont devenus des rois dans la maison de Dieu, agissant tyranniquement au fil du temps. Ces démons cherchent à conjuguer les efforts et ensemble à détruire mon travail. Comment puis-je permettre à ces démons vivants d'exister devant moi? Amen. Les paroles de Dieu sont investies d'une grande autorité. Oui. Toutes ces paroles dévoilent l'essence des pasteurs et des anciens. Ils interprètent la Bible tout en résistant à Dieu Tout-Puissant. Les pasteurs et les anciens ne connaissent pas Dieu. Ils le définissent et lui résistent. Mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui blasphèment contre Dieu Tout-Puissant. Leur nature et leur essence sont identiques à celles des pharisiens qui ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Il s'agit dans tous les cas de personnes sataniques et toxiques. Ce sont des antéchrists qui ont été mis à nu par l'œuvre de Dieu. C'est eux qui ont à nouveau cloué Dieu sur la croix. Ils sont tous maudits par Dieu. Amen. Ce sont tous des antéchrists. Ils devraient vraiment être maudits par Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous en parlez ainsi, je comprends. Les pasteurs et les anciens peuvent interpréter la Bible et l'exalter, mais cela ne signifie pas qu'ils connaissent Dieu. Vous pouvez voir qu'ils ont une nature satanique. Ils haïssent la vérité et résistent à Dieu. Peu importe s'ils interprètent bien ou exaltent la Bible. Ils trompent et isolent les gens pour protéger leur situation et leur gagne-pain. Oui, c'est vrai. Ils n'exaltent ni ne témoignent pas du tout de Dieu. Amen. Les pasteurs et les anciens ont des façons très insidieuses de résister à Dieu et de le tromper. Oui, le plan du PCC maléfique pour tromper les gens est évident. Mais les religieux utilisent leurs interprétations de la Bible pour tromper les gens. C'est plus dur de s'en rendre compte. Dans le passé, nous les avions vénérés, mais au bout de toutes ces années, nous n'avons obtenu aucune vérité. Maintenant, nous savons que nous étions trompés. Grâce au salut de Dieu Tout-Puissant, et nous le remercions du fond de nos cœurs. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Frères et sœurs, le témoignage du Seigneur ne dépend pas de la manière dont les hommes interprètent la Bible. La clé réside dans leur capacité à pratiquer la parole de Dieu et à vivre son œuvre. Si les hommes aiment la vérité, ils auront l'illumination du Saint-Esprit et une connaissance véritable de la parole de Dieu. Cette connaissance est créée par le fait de pratiquer et de vivre les paroles de Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Communiquer ses expériences et témoignages authentiques, c'est ça, exalter Dieu et témoigner en sa faveur. Voilà ce que ça signifie de vraiment exalter Dieu. La véritable connaissance de Dieu, dont parlent ceux qui témoignent en sa faveur, ne provient pas de leur conception, de leur imagination, ni de leur interprétation littérale des paroles de Dieu. Ceux qui témoignent en sa faveur se concentrent à communiquer ses paroles dans la Bible, communiquer sa volonté, ses exigences envers les hommes, son tempérament ainsi que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, en permettant aux gens de comprendre la volonté et le tempérament de Dieu
et de vraiment connaître Dieu. C'est ainsi que les gens peuvent vraiment vénérer Dieu et lui obéir. C'est grâce à l'interprétation et la communication sur la parole de Dieu qu'ils peuvent vraiment l'exalter et témoigner en sa faveur. Amen. Cependant, lorsque les pasteurs et les anciens interprètent la Bible, peuvent-ils vraiment communiquer la vérité de la parole de Dieu? Peuvent-ils communiquer la volonté de Dieu? Peuvent-ils témoigner du tempérament de Dieu? Peuvent-ils amener les autres à connaître Dieu, à lui obéir et à le vénérer? En effet, les faits nous ont montré que la plupart des pasteurs et des anciens de la communauté religieuse haïssent la vérité et résistent à Dieu. Ils ne pratiquent pas du tout la parole de Dieu et ne vivent pas son œuvre. Ils ne comprennent absolument pas sa volonté et ses exigences. En effet. Et ils ne comprennent pas son tempérament, tout ce qu'il a, ni tout ce qu'il est. C'est pourquoi ils ne peuvent communiquer aucune connaissance de Dieu. Et ils ne peuvent pas témoigner de la substance divine et des merveilleuses qualités du Seigneur Jésus. C'est vrai. Ce ne sont que des faits. En effet. Ils ne font qu'interpréter la théorie théologique et les connaissances bibliques, ou les histoires de certains personnages dans la Bible, avec leur contexte, afin que les gens les admirent et les prennent en exemple. Oui, voilà ce que font les pasteurs et les anciens. Non seulement cela, mais la plupart du temps, les religieux interprètent des paroles humaines comme les paroles de Paul dans la Bible. Et selon Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. Du coup, ils ont traité les mots de la Bible comme les paroles de Dieu. C'est pourquoi la communauté religieuse entière a traité les paroles des apôtres comme des paroles de Dieu et a dit aux croyants de les respecter. Maintenant, ils citent de plus en plus souvent les paroles des apôtres. Lorsqu'ils donnent des sermons, lorsqu'ils communiquent ou qu'ils témoignent, cependant, ils citent moins les paroles de Dieu et celles du Seigneur Jésus. Le résultat final, c'est que les paroles de Dieu et celles du Seigneur Jésus ont toutes été remplacées et invalidées. La place du Seigneur Jésus dans le cœur des gens diminue constamment, tandis que celle de Paul et des autres continue à prendre de l'importance. C'est ce qui a permis aux paroles de Paul ainsi qu'à d'autres figures bibliques d'occuper le cœur des hommes. Les gens croient dans le Seigneur Jésus en apparence. Mais en réalité, ils mettent en pratique des paroles humaines dans la Bible, comme les paroles de Paul. Ils arpentent leur propre chemin de foi en Dieu. Comment des gens qui croient en Dieu peuvent-ils ne pas s'éloigner de sa voie? Comment cela peut-il être en accord avec la volonté de Dieu? Par exemple, le Seigneur Jésus a dit ceci à propos de l'entrée au royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Or, les religieux parlent du salut et de l'accès au royaume des cieux en faisant référence aux paroles de Paul. Il s'agit d'une trahison des paroles du Seigneur Jésus. Le résultat, c'est que les croyants ne savent pas comment suivre la volonté de Dieu. Ils ne savent pas quel type de personne pourra accéder au royaume des cieux. Les gens utilise les paroles de Paul en guise de devise. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Les religieux enseignent aux autres que dans la mesure où ils travaillent pour le Seigneur, comme l'a fait Paul, et endurent les souffrances, ils peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ils substituent les paroles des hommes aux paroles de Dieu et excluent les paroles de Dieu. En conséquence, ils égarent les gens du chemin. Lorsqu'ils interprètent la Bible de cette façon, exaltent-ils ou témoignent-ils de Dieu? Je pense qu'ils sont directement opposés à Dieu. Et le problème que nous voyons est très sérieux. Les pasteurs et les anciens substituent souvent des paroles humaines tirées de la Bible aux paroles de Dieu. Nous devrions en entrevoir les conséquences. C'est évident, ne pensez-vous pas la même chose? Oui, nous le comprenons. Ils nous amènent devant l'homme. Ce sont tous des escrocs religieux, c'est vrai. Frères et sœurs, essayons de réfléchir un peu à tout cela.
Comment se peut-il que les gens croient dans le Seigneur pendant des années sans toutefois le connaître? Pourquoi ils ne découvrent jamais la véritable parole de Dieu? Comment ceux qui croient ainsi dans le Seigneur peuvent-ils espérer obtenir la vérité ou la vie? N'est-ce pas parce que les pasteurs et les anciens interprètes et témoignent constamment à propos des paroles humaines contenues dans la Bible et exhortent leurs disciples à appliquer sans retenue et à respecter ces paroles? Comment peuvent-ils exalter le Seigneur ou témoigner du Seigneur en interprétant mal la Bible? Comment cela peut-il être en accord avec la volonté de Dieu? Ils ne sont absolument pas différents des pharisiens hypocrites. Ils suivent une voie qui consiste à servir Dieu tout en lui résistant. Amen. C'est logique. Dans les derniers jours, lorsque Dieu incarné apparaît et réalise son œuvre, il commence à résister à Dieu et à condamner son œuvre sans aucun scrupule. Ce qui révèle leur nature satanique cachée. Ils haïssent la vérité et résistent à Dieu. Au final, ils seront maudits et ils seront punis par Dieu. Amen. Telle est leur juste punition. Telle est la justice de Dieu. Comme le dit Dieu Tout-Puissant, regarde les dirigeants de chaque confession religieuse, ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même un peu de connaissances. Ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et utilisent des artifices par lesquels ils ont attiré le peuple devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons le consulter au sujet de notre croyance en Dieu ». Voyez comment ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Pourquoi faut-il les consulter? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? Les pasteurs et les anciens sont des obstacles qui empêchent d'accepter la voie authentique. Terriblement maléfique. Dieu Tout-Puissant a clairement mis à nu l'essence de la résistance des pasteurs et des anciens à Dieu. Les vrais croyants et les chercheurs de vérité devraient comprendre la vérité. Les pasteurs et les anciens religieux citent la Bible hors de son contexte et l'interprètent de manière erronée en résistance à Dieu. Amen. Ainsi, nous pourrons échapper à leur tromperie et à leur contrôle et revenir devant le trône de Dieu. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Ouais, c'est bien le cas. Bien que les pasteurs et les anciens interprètent la Bible, ils ne communiquent pas leurs témoignages liés à la pratique des paroles du Seigneur. Ils ne guident les croyants ni dans cette pratique, ni dans l'obéissance à ses commandements. C'est encore pire en ce qui concerne le retour du Seigneur. Même dans ce cas, ils interprètent la Bible de manière erronée. Ils définissent et jugent Dieu de manière infondée et disséminent toutes sortes de mensonges pour nous tromper et nous contrôler. Ils nous empêchent d'étudier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Comment exaltent-ils ou témoignent-ils en faveur du Seigneur? Ils créent leur propre royaume indépendant et ennemi de Dieu. Leurs cœurs sont vraiment toxiques. Ils sont une race de vipères. Ce sont des démons mangeurs d'âmes. C'est bien la vérité. En effet. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu dans les derniers jours a dénoncé ces pasteurs et anciens qui sont les antéchrists démoniaques de la communauté. Autrement, personne ne pourrait voir que leurs interprétations de la Bible sont des manières insidieuses de contrôler les gens. Personne ne pourrait voir qu'ils créent leur propre royaume indépendant et ennemi de Dieu. À l'époque, les pharisiens exaltaient et témoignaient de la Bible. Ils cantonnaient Dieu Tout-Puissant à la Bible. Ils ne recherchaient ni la vérité, ni à marcher dans les pas de Dieu. Et résultat,
Ils ont cloué le Seigneur sur la croix et l'ont justifié par son refus de suivre l'Ancien Testament. Ce péché est extrêmement grave. Bien sûr, en effet. Les pasteurs et les anciens dans les derniers jours sont exactement comme étaient les pharisiens. Ils exaltent et témoignent en faveur de la Bible. Ils définissent Dieu dans la Bible. Ils mentent également en disant « Aucun élément de l'œuvre de Dieu n'existe en dehors de la Bible. » Croire en la Bible, c'est croire en Dieu. La Bible représente Dieu. Si vous la quittez, vous ne croyez plus en Dieu. Ils utilisent cela pour détourner les gens et les amener à croire en la Bible. Ils traitent la Bible comme s'il s'agissait de Dieu. Ils remplacent Dieu par la Bible. Les pasteurs et les anciens utilisent ces méthodes particulièrement secrètes et sournoises pour détourner les gens de Dieu et les amener devant la Bible. Ainsi, les gens perdent leur relation avec Dieu. Les croyants d'autrefois ne croient plus que dans la Bible. La Bible devient le Seigneur dans leur cœur, le Dieu dans leur cœur. Leur croyance perd de sa force et laisse place à la Bible. Cela les incite à adorer et à suivre les pasteurs et les anciens. Quant aux pasteurs et aux anciens, ils utilisent la Bible comme un outil pour contrôler la communauté et réaliser leurs propres ambitions. Ils exaltent la Bible et l'interprètent hors de son contexte pour tromper, piéger et contrôler les gens. Ils dirigent à leur insu les gens sur une voie consistant à vénérer et suivre des hommes, tout en résistant à Dieu et en étant son ennemi. Ils empruntent la mauvaise voie. Ce sont des escrocs religieux. Tout à raison. Ils détournent les gens et leur font croire que vénérer et respecter la Bible, c'est croire en Dieu et disposer de sa présence. Ces gens n'étudient pas l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et c'est pour cette raison précise qu'ils ratent leur chance de salut. Oui, c'est vrai. Il s'agit vraiment du plan le plus sournois et le plus fourbe de Satan. Il est vraiment néfaste. Ces pasteurs et ces anciens sont très néfastes. Oui, ils sont vraiment ignobles. Nous pouvons voir que les pasteurs et les anciens sont exactement les mêmes que les pharisiens et sont des escrocs. Amen. Ce sont de faux bergers et des antéchristes qui détournent les élus de Dieu. La communauté religieuse est contrôlée par un groupe de pharisiens et d'antéchristes démoniaques qui résistent à Dieu. Et Dieu ne peut plus y réaliser son œuvre. Elle est devenue un camp satanique qui a choisi Dieu comme ennemi. Elle est devenue depuis longtemps la Grande Babylone. Comment la Babylone pourrait-elle ne pas se renverser dans la colère de Dieu ? Nous ne pouvons pas rester au sein de la communauté religieuse sous peine d'être punis. Frères et sœurs, nous avons longuement écouté les mensonges des pasteurs et des anciens et pratiqué les paroles de la Bible comme si elles étaient celles de Dieu. Nous pensions qu'il serait plus facile de pratiquer ces paroles que de pratiquer celles de Dieu. Nous avons été trompés par les pasteurs et les anciens. C'est exact. Les pasteurs et les anciens nous ont fait du mal. N'est-ce pas la vérité ? Les pasteurs et anciens ont mangé et bu les sacrifices que nous avons offerts à Dieu. Ils utilisent la Bible pour nous tromper et nous contrôler. Ils souhaitent particulièrement nous empêcher d'accepter la voie authentique. Lorsque Dieu Tout-Puissant vient accomplir son œuvre en commençant par sa maison, ils veulent nous vider de notre sang et nous priver de toute vie. Ils veulent nous entraîner en enfer. Ils sont maléfiques. Ils ne connaîtront pas de répit tant qu'ils ne nous auront pas tous tués. Oui, je n'aurais jamais pensé que les religieux que nous admirons et vénérons étaient des démons maléfiques qui nous font du mal et dévorent nos âmes. Le simple fait d'y penser me terrifie. La communauté religieuse est gouvernée par des antéchrists démoniaques. Rien d'étonnant à ce que Dieu les maudisse. Non seulement nous n'entrons pas au royaume des cieux, mais nous serons punis et maudits par Dieu parce que les religieux nous ont trompés en nous incitant à résister. C'est trop dangereux! Nous devons rejeter les pasteurs et les anciens et rompre avec eux. Exact. Oui, il faut les rejeter. Exact. Nous devons les rejeter. La communauté religieuse est un culte désolé et un repère de voleurs. Frères et sœurs, à présent, nous voyons que la résistance des religieux vis-à-vis de Dieu n'est pas nouvelle et remonte à la fin de l'ère de la loi. Quand Dieu s'est incarné et a accompli son œuvre durant l'ère de la grâce,
La communauté était dominée depuis longtemps par les pharisiens et les antéchrists. Elle s'opposait à l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Bien dit, exactement ce que nous devons faire. Lorsque Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, apparaît, la communauté se pose toujours en ennemi de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Non content de condamner Dieu Tout-Puissant et de blasphémer à son encontre, elle collabore avec le régime satanique du PCC pour persécuter l'Église de Dieu Tout-Puissant. Elle a commis un péché monstrueux en crucifiant Dieu une nouvelle fois. Amen. Non seulement le Seigneur Jésus a maudit les pharisiens en condamnant la communauté religieuse, mais lorsque Dieu Tout-Puissant a accompli son œuvre de jugement, il a continué de dénoncer la véritable essence de résistance des pasteurs et des anciens. Oui. Il a également maudit les antéchrists qui ont à nouveau cloué Dieu sur la croix. Amen. Amen. Cela incite vraiment à la réflexion. Les deux fois que Dieu s'est incarné, il a condamné et maudit la communauté religieuse. Qu'est-ce que cela nous montre? Que les élus de Dieu comprennent enfin que la communauté religieuse, la Grande Babylone, est destinée à s'effondrer. Amen. La communauté religieuse ne croit en Dieu qu'en apparence, mais jamais elle ne l'exalte ni ne témoigne en sa faveur. Elle n'accomplit pas sa volonté. Elle ne peut pas élever les élus de Dieu jusqu'à son trône. Elle ne peut pas les mener sur la bonne voie de telle sorte qu'ils comprennent la vérité et connaissent Dieu en pratiquant sa parole. Les dirigeants religieux s'opposent à la volonté de Dieu. Ils ne pratiquent pas eux-mêmes la vérité, mais ils prêchent les connaissances bibliques et la théologie pour parader afin que les gens les admirent et les vénèrent. Ils mènent les croyants sur le sentier des pharisiens, un sentier hypocrite. Ils portent atteinte aux élus de Dieu. Les dirigeants religieux sont tous des outils de Satan. Ils sont tous devenus de véritables antéchrists. Nous étions vraiment à vous. Ils nous portaient atteinte et nous ne le savions même pas. Durant les étapes de son œuvre pour sauver l'humanité, Dieu s'est incarné deux fois, pour racheter l'humanité et aussi pour la sauver. La communauté religieuse tout entière est ennemie du Christ. Ils sont devenus des pierres d'achoppement pour l'œuvre de salut de Dieu. Ils ont offensé le tempérament de Dieu, et il les a maudits et il les a punis en conséquence. Amen. Vraiment une juste punition pour leur péché. C'est exactement comme le disent les prophéties. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Malheur, malheur. La grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Amen. La communauté religieuse est la grande Babylone. Oui. Nous devons vite quitter la communauté religieuse ou nous serons punis par Dieu. C'est vrai, nous devons échapper à leur emprise et leur manipulation et éviter d'être détruits en même temps qu'eux. Exactement. Quittons la communauté ou nous serons punis par Dieu. Frères et sœurs, la communauté religieuse résiste à Dieu Tout-Puissant et le condamne. Nous voyons déjà leur comportement maléfique en créer un bastion d'antéchrist. Comment la grande Babylone religieuse peut-elle ne pas être détruite par Dieu? Amen. Le juste tempérament, l'omnipotence et la sagesse de Dieu seront révélés au grand jour lorsqu'il détruira les forces sataniques maléfiques dans les derniers jours. Amen. Après le grand désastre, Dieu se dévoilera publiquement à l'humanité. Amen. Oui, rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce. Frères et sœurs, tous ceux qui n'acceptent pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, quand bien même ils garderaient le nom du Seigneur Jésus au sein de la communauté, quand bien même ils suivraient la Bible, le salut de la croix ou les cérémonies religieuses, peu importe à quel point ils travaillent, souffrent ou se sacrifient, s'ils ne se repentent pas en se tournant vers Dieu Tout-Puissant, ils seront renversés et détruits avec le reste de la communauté. Oui, c'est vrai.
Dieu l'a décidé il y a bien longtemps. Personne ne peut rien y changer. Amen. Il y a bien longtemps, Dieu a appelé ses élus dans les prophéties. Sortez du milieu d'elles, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Frères et sœurs, regardons la manière dont Dieu Tout-Puissant condamne ces antéchrists qui résistent fanatiquement à Dieu et la communauté religieuse contrôlée par les antéchrists. Dieu Tout-Puissant dit « Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. » Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamne plutôt, blasphème ou même le persécute, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit. L'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc, je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évident pour tous. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Rappelle-toi ce qui a suivi après que les Juifs aient cloué Jésus à la croix il y a 2000 ans. Les Juifs ont été expulsés d'Israël et ont fui vers les pays du monde entier. Beaucoup ont été tués. Et toute la nation juive a subi une destruction sans précédent. Ils avaient cloué Dieu à la croix, commis un crime odieux et provoqué la colère de Dieu. Ils ont été condamnés à payer pour ce qu'ils ont fait. Ils ont dû supporter les conséquences de leurs actes. Ils ont condamné Dieu, rejeté Dieu. Et ils n'avaient donc qu'un seul destin, être punis par lui. C'est la triste conséquence et le désastre que leurs dirigeants ont causé à leur pays et à leur nation. Amen. Nous croyons qu'aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser sur le chemin de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Ceux qui entravent son œuvre résistent à sa parole, perturbent et altèrent son plan, seront finalement punis par lui. Celui qui défie l'œuvre de Dieu sera envoyé en enfer. Tout pays qui défie l'œuvre de Dieu sera détruit. Toute nation qui s'élève pour s'opposer à l'œuvre de Dieu sera exterminée de cette terre et cessera d'exister. Amen. Sœur Ma, le pasteur Huang va arriver? Je lui ai déjà écrit. Mais oui. Enfin,
Toute cette réunion est tellement bénéfique pour moi. Mais tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma colère sur ces nations, promulguant ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et donnant un châtiment à quiconque les viole. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix. Et alors voit toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai. Et grâce à moi, le soleil et la lune se renouvelleront. Les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Des êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot, le reste sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront, à divers degrés, à mon royaume. Vaincus par mes œuvres, parce qu'ils auront vu l'avènement du Saint sur une nuée blanche. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variant selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous. Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre, sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations, en prononçant de ma propre voix sur la terre, pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail, pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. Amen. Les paroles de Dieu sont investies de tant d'autorité. Chaque phrase sera accomplie. Frères et sœurs, chaque phrase des paroles de Dieu Tout-Puissant est investie d'autorité et de pouvoir et présente la justice, la majesté, la colère et le tempérament de Dieu qui ne saurait être offensé. Amen. Ceux qui résistent à Dieu, interrompent ou perturbent son œuvre, subiront sans nul doute la punition et les représailles de Dieu. Amen. Durant l'ère de la loi, les habitants de Sodome ont nié Dieu publiquement et lui ont résisté. Ils ont enragé son tempérament et ont tous été détruits par Dieu. Ils ont été anéantis. Durant l'ère de la grâce, les scribes et les pharisiens, ainsi que les grands prêtres juifs, ont publiquement résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné. Ils ont conspiré avec le gouvernement romain pour clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Ils ont commis un grave péché envers Dieu, qui a provoqué son tempérament. La nation juive tout entière a subi une destruction sans précédent. Oui, c'est vrai. Dans les derniers jours, la plupart des dirigeants religieux résistent à Dieu Tout-Puissant en le jugeant et en le condamnant gratuitement.
Il coopère et conspire même avec le démoniaque PCC pour arrêter et persécuter ses frères et sœurs qui répandent l'évangile du royaume. Ils ont depuis longtemps commis les péchés odieux du blasphème contre le Saint-Esprit et de la crucifixion de Dieu. Leur comportement maléfique est pire que les habitants de Sodome. Il est infiniment pire que celui des pharisiens juifs. Amen. Ce sont des antéchristes qui ont été mis à nu par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ils sont aussi la force maléfique qui a résisté à Dieu de la manière la plus extrême de l'histoire. La communauté est entièrement constituée de forces maléfiques qui résistent à Dieu. Elle est un repère d'antéchrist démoniaque. Amen. Il s'agit d'un bastion ardent qui veut être sur un pied d'égalité avec le royaume du Christ. Amen. Il s'agit d'un camp satanique d'ennemis jurés de Dieu qui se révolte contre lui. Amen. La communauté religieuse est vraiment trop démoniaque. Oui, elle devrait vraiment être détruite par Dieu. Le juste tempérament de Dieu ne peut pas être offensé. La sainteté de Dieu ne peut pas être entachée. Amen. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours est l'aube d'une nouvelle ère et la fin d'une ère révolue. La communauté religieuse qui est contrôlée par des antéchrists démoniaques ainsi que ce monde maléfique ne tarderont pas à être détruits par le désastre de Dieu dans les derniers jours. Amen. La punition divine de Dieu est déjà arrivée. Amen. C'est exactement comme le dit Dieu Tout-Puissant. Ouvrez la page 317. Le monde est en train de tomber. Babylone est paralysée. Le monde religieux, comment pourrait-il échapper à la destruction par mon autorité sur la terre? Qui ose encore me désobéir et s'opposer à moi? Les scribes, tous les responsables religieux, les dirigeants et les autorités sur terre, les anges, qui ne célèbrent pas la perfection et la plénitude de nos corps, parmi tous les peuples qui ne chantent pas sans cesse les louanges, qui n'est pas toujours joyeux, comment les pays de la terre pouvaient-ils échapper à la perfection? Comment les pays de la terre ne pouvaient-ils pas tomber? Comment mon peuple ne pouvait-il pas se réjouir? Comment ne pouvait-il pas chanter avec joie? Amen. Oh.